Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette rediffusion du webinaire Décoder et s'affirmer avec bienveillance. On a fait l'enregistrement hier soir, donc je vais vous le présenter tout de suite après cette petite introduction. Évidemment, le webinaire de la première minute n'a pas été enregistré, c'est pourquoi je fais cette petite introduction-là, juste pour vous rappeler évidemment de profiter pleinement de ce webinaire-là. Donc, je vous invite évidemment à fermer les autres applications sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire pour être en mesure d'être vraiment attentif et de pouvoir retirer tout ce que vous avez besoin de retirer de cette formation en ligne-là, de ce webinaire-là qui vous est offert gratuitement. Je vous invite aussi à prendre des notes, si vous le voulez, pendant le webinaire sur ma page Facebook d'auteur dont je donne le lien à la fin que je vais mettre dans la description. Vous pouvez aller prendre, évidemment, vous pouvez prendre des photos de vos notes et les partager sous la publication parce que je vais faire tirer des livres parmi les gens qui vont avoir partagé leurs notes de ce webinaire-là. Donc, je vous invite évidemment à prendre des photos des notes que vous avez et les gens qui ont participé au webinaire reçoivent, eux, probablement dans les prochaines minutes, le PDF du PowerPoint parce qu'un PowerPoint, évidemment, quand il y a beaucoup de photos, c'est un peu lourd. Donc, je le transforme en PDF pour que les participants du webinaire puissent avoir ainsi accès à mon PowerPoint et puissent repartir avec les informations. Et je racontais aussi dans mon introduction qu'à la fin du webinaire, je vous présente une super opportunité. Donc, je vous invite à écouter jusqu'à la fin parce que cette opportunité-là, évidemment, elle est pour une durée limitée. Sur ce, je vous souhaite un magnifique webinaire sur apprendre à décoder le corps, le mensonge et la manipulation pour pouvoir s'affirmer avec sérénité et bienveillance. Bon webinaire. Suite au webinaire, je vais vous envoyer une adresse, je vais vous envoyer un courriel. Et dans le courriel, je vais vous envoyer la rediffusion. Donc, vous allez pouvoir entendre, vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement. Vous allez pouvoir le partager aussi s'il y a des gens à qui vous pensez que ça pourrait être intéressant. Et je vais aussi vous envoyer la présentation PowerPoint en format PDF, parce qu'un PDF, évidemment, c'est beaucoup moins pesant et j'ai beaucoup de photos dans ma présentation. Puis des photos, ça pèse très, très, très lourd. Donc, évidemment, ça va être beaucoup plus facile si je vous l'envoie en PDF. Donc, voilà pour la petite présentation. Donc, on va regarder ce soir comment décoder le corps, comment décoder les mensonges, comment décoder la manipulation et comment s'affirmer avec davantage de bienveillance et de façon à, évidemment, se faire respecter et à respecter soi-même les autres. L'objectif de la formation de ce soir, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de vous donner trois stratégies, trois clés pour mieux décoder le langage corporel, pour mieux décoder la manipulation, pour mieux décoder le mensonge. Et là, évidemment, je vois en même temps le clavardage, il y a des gens qui ont une petite difficulté au niveau du son. Donc, Martin et Pierre-Marc sont en train de s'occuper de ça. Est-ce qu'il est possible de cliquer sur « Masquer » pour le petit bandeau en bas de votre écran? Donc, Pierre-Marc est en train de répondre. Excellent, c'est parfait. L'équipe technique est en place, c'est parfait. Donc, ensuite, je vais vous donner trois clés de communication harmonieuse et d'impact, déjà. Puis, on va regarder ensemble pourquoi c'est important de développer ces compétences-là, pourquoi c'est important aujourd'hui, à l'ère d'aujourd'hui, de développer ces compétences-là. Quelles sont les qualités qui sont requises pour être en mesure d'avoir une capacité de mieux décoder le corps, de mieux décoder la manipulation et le mensonge et de s'affirmer avec bienveillance? Et comment on peut s'y prendre? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour l'aventure? Pour la question sur la petite bande en bas, je vais juste vous cliquer sur « Masquer » ici, voilà. Donc, oui, j'ai cliqué sur « Masquer », c'est déjà fait, Martin. Donc, excellent. Tout le monde devrait bien voir. Parfait. Tout le monde est prêt? On y va pour un go? Oui. Lucie a dit oui. Annie a dit oui aussi. Go. Parfait. Juste pour dans d'autres formations, j'ai vu ça souvent, il y a des gens qui sont vraiment des experts dans la prise de notes. Alors, je vous fais un petit concours. Je vous invite à prendre des notes, évidemment. Mais à la fin de ce webinaire-là, je vous invite à prendre des photos de vos notes. Parce qu'il y a des gens qui prennent des notes totalement fabuleuses. Moi, je suis toujours vraiment surprise de la capacité que vous avez à prendre des notes qui sont vraiment détaillées.
Et je vous invite donc à prendre des photos de vos propres notes et à les partager sur ma page Facebook d'auteur. À 19h35, il y a une publication qui a été envoyée sur ma page d'auteur sur le webinaire. Et dans les commentaires en dessous, je vous invite à partager après le webinaire les notes que vous aurez prises. Il y en a qui mettent de la couleur, il y en a qui mettent des formes, il y en a qui se mettent des collants. Prenez les notes comme vous voulez, mais l'idée, c'est que à travers tous ceux qui auront partagé les photos de leurs notes, je vais faire tirer des livres. Donc, les gens qui seront les gagnants pourront choisir dans les 9 livres que j'ai publiés le livre qui les intéresse. Donc, je vais m'assurer d'avoir 3 gagnants parmi les gens qui auront partagé leurs notes et je vous enverrai le livre que vous voulez de votre choix parmi les 9 et je vous l'enverrai par la poste. Donc, je vous invite à prendre des notes, à mettre de la couleur et ensuite à partager ça sur Facebook. Ça, c'était un petit cadeau pour la soirée. À qui s'adresse ce webinaire-là? Bien évidemment, le webinaire de ce soir s'adresse aux gens qui ont envie de mieux comprendre les réactions des autres, qui ont envie de mieux comprendre leurs propres réactions. Puis ça s'adresse aux gens qui ont envie de travailler sur eux-mêmes et qui ont déjà souvent commencé à faire un premier travail sur eux-mêmes. Évidemment, ça s'adresse à des gens qui sont coachables, donc des gens qui ont vraiment un désir d'apprendre et un désir réel d'amélioration et qui ont une certaine capacité d'introspection. Ce webinaire-là, évidemment, il ne s'adresse pas à vous si vous pensez que vous n'êtes pas responsable de votre communication. Ça ne s'adresse pas à vous si vous recherchez une solution magique. Les solutions magiques, ça n'existe pas. Ça ne s'adresse pas à vous non plus si vous pensez que vous avez déjà tout entendu et que vous savez déjà tout. Donc, si vous voyez les diapositives et vous dites « Oh, ça, je le sais, ça, je le sais, ça, je le sais », mais que vous ne l'intégrez pas, bien évidemment, ce webinaire-là, il n'est pas pour vous. Ça ne s'adresse pas non plus aux gens qui veulent travailler seuls et qui ne veulent pas avoir de feedback parce qu'évidemment, on est dans les relations humaines, on est dans le comportement humain et ce webinaire-là, évidemment, il s'adresse aux gens qui d'abord et avant tout ont envie d'apprendre et de mieux échanger avec les autres. Mais si vous êtes du genre à vous sentir tout croche quand le ton monte dans une relation, si vous êtes du genre à vous en vouloir après une dispute, si vous êtes du genre à avoir l'impression que des fois l'émotion devient envahissante et va prendre le dessus sur votre raison, si vous êtes dans une situation où vous avez tendance à vous oublier, parfois à vous éteindre ou à ne pas prendre tout à fait votre place, bien évidemment, ce webinaire-là, il est pour vous. Si vous êtes du genre à observer certains gestes, certaines postures, certaines démangeaisons, vous en avez vu passer, mais vous ne savez pas exactement ce que ça veut dire. Vous avez un bon instinct, mais vous ne l'écoutez pas toujours. Vous trouvez 2 jours plus tard ce que vous auriez pu répliquer à quelqu'un qui vous a fait un commentaire désagréable ou inapproprié, bien, cette formation-là, à ce moment-là, est pour vous. Si vous avez tendance à encaisser certains commentaires qui vous dérangent et à ne pas les recadrer, à ne pas trop intervenir là-dessus, pour ne pas partir une chicane, ce webinaire-là est pour vous. Si vous avez tendance à accumuler, ce qui fait que quand ça sort, évidemment, ça ne sort pas nécessairement très bien et la réaction de l'autre personne vous indique que ça a été mal reçu, ce webinaire-là est pour vous. Le webinaire s'adresse aux gens qui ont envie de communiquer de façon plus douce, plus harmonieuse avec un conjoint, avec un enfant, avec des amis. Ça veut dire que vous avez déjà eu un certain vécu, vous avez vécu des crises, vous avez vécu des conflits, puis vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de davantage de complicité, d'échanges constructifs, puis de soutien. Le webinaire s'adresse aussi aux gens qui ont envie de mieux vendre, de mieux convaincre leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires d'affaires qui peuvent être parfois résistant. Donc, vous voulez savoir quels sont les mots qui influencent positivement ou négativement. Vous voulez reconnaître les bons et les moins bons clients, parce qu'évidemment, ça arrive, des moins bons clients. Donc, vous voulez être en mesure de les reconnaître, puis vous voulez des outils pour vous protéger des gens qui sont davantage menteurs et davantage manipulateurs. Le webinaire s'adresse aussi aux gens qui ont envie de mieux intervenir, que ce soit auprès d'employés, que ce soit auprès de collègues de travail, que ce soit auprès de clients. Et donc, vous voulez des clés de communication qui peuvent transformer la relation puis qui ont un réel impact. Donc, qui suis-je? Ben, je suis l'auteur de 9 livres qui portent sur le langage corporel,
les relations sous emprise, la détection des mensonges, le développement de potentiel et évidemment, j'ai plusieurs romans aussi. Je donne plusieurs conférences sur l'analyse du langage corporel dans toutes sortes de contextes, en affaires, en amour, en vente, avec les employés, avec les clients. Je donne beaucoup de formations en gestion de conflits, en gestion de personnes difficiles, mais je ne suis pas seulement une personne qui donne de la théorie, je l'applique de façon quotidienne. Donc, je fais des interventions en relation de travail, en entreprise, en organisation, et je viens en aide à des gens qui sont dans des situations de manipulation, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc, je suis confrontée à mes théories de façon quotidienne et je dois naturellement, continuellement améliorer mes connaissances. Ce qui a fait que je me suis intéressée au langage corporel, aux stratégies de mensonge et aux stratégies de manipulation, ben en fait, il faut savoir que j'ai eu un patron schizophrène non médicamenté qui entendait 52 voix. Donc, j'ai dû apprendre à distinguer ce qui était vrai dans l'ensemble de cet imaginaire-là un peu particulier. J'ai eu affaire aussi avec un fournisseur CAID, donc un fournisseur qui faisait de la surfacturation et toute l'organisation cliente avait peur de ce fournisseur-là. Personne n'avait jamais osé le confronter et moi, évidemment, dans mon rôle, j'ai eu les factures dans les mains, j'ai vu la surfacturation et je viens d'une famille où on ne tolère pas la corruption. Alors, inévitablement, j'ai dû intervenir et j'ai dû confronter ce manipulateur-là. J'ai eu affaire aussi dans un conseil d'administration à un administrateur qui voulait devenir calife à la place du calife, donc qui voulait devenir président et qui, évidemment, essayait de monter l'ensemble de l'organisation contre le président pour s'en débarrasser. Et j'ai dû intervenir dans ce contexte-là qui était particulièrement stressant. J'ai eu des clients menaçants, j'ai eu des clients inappropriés, des clients menaçants qui, eux, quand ils se fâchent, ils lancent pas seulement des livres ou des boîtes de mouchoirs ou des tasses, ils lancent le meuble, la bibliothèque au complet. J'ai eu des clients que je devais aller rencontrer dans une prison fédérale. J'ai eu des clients qui étaient agressifs. J'ai eu des clients qui étaient agressifs verbalement et qui étaient agressifs physiquement. Donc, j'en ai eu de toutes les couleurs. Et moi, j'ai pas un gros gabarit. Donc, je devais apprendre très, très rapidement à calmer la colère d'un client. Parce que moi, je fais 5 pieds 6. Ça fait que quand mon client fait 6 pieds 4, qu'il est pas à jeun. Et à ce moment-là, ben, je dois évidemment intervenir de façon appropriée. J'ai eu évidemment des collègues qui étaient en situation de toxicomanie, donc alcoolique ou drogue. J'ai eu des employés qui avaient été dominés dans des situations, qui avaient été victimes d'harcèlement psychologique, qui avaient été victimes de toutes sortes de situations et qui devaient réapprendre à rebâtir leur confiance pour réussir à aller plus loin. Et j'ai eu un ex-conjoint PN, donc un pervers narcissique. Donc, j'ai dû apprendre, moi, à m'affirmer parce que ce n'était pas naturel pour moi de m'affirmer. On dit toujours qu'on enseigne aux autres ce qu'on a eu le plus à travailler. Moi, j'ai dû apprendre à m'affirmer correctement. Un, apprendre à dire ce que je pensais, puis deux, apprendre à le dire de la bonne façon pour que ce soit bien reçu. Ce qui a fait que je suis aujourd'hui ce que l'on appelle une CRHA, une conseillère en ressources humaines agréées. J'ai une maîtrise en développement organisationnel. Je suis aussi génagogue, donc j'ai un baccalauréat en génagogie. Et la génagogie, c'est un mélange de psychologie et de management. Pour les gens qui sont en France, le baccalauréat ici, évidemment, c'est 3 ans de formation universitaire après le cégep. Donc, nous, on a le secondaire, le cégep de 2 à 3 ans. Et ensuite, on a l'université. Je suis aussi synergologue, donc je suis spécialisée dans l'analyse du langage corporel. C'est une formation de 3 ans. J'ai des formations aussi en harcèlement psychologique, en gestion de personnes difficiles et agressives. J'ai des formations sur les types de personnalités, des formations sur les blessures psychologiques, des formations sur la communication harmonieuse et la communication non violente. C'est des formations différentes. Des formations en stratégie de vente et en développement de la clientèle, des formations en neuromarketing et en hypnose. Et ça fait presque 35 ans que je pratique le karaté Shotokan, qui est venu me donner une confiance, parce qu'évidemment, en karaté, on doit apprendre, même si on a un petit gabarit comparativement aux autres, on doit apprendre à ce moment-là à faire face à ses peurs, à se faire confiance et à développer la confiance pour être en mesure d'aller faire un combat. Donc, on va regarder ensemble 3 clés au niveau du décodage pour mieux comprendre les réactions des autres, éloigner les menteurs, les manipulateurs, s'entourer de relations saines, obtenir la vérité sans déclencher un conflit et
au niveau de l'affirmation, trois clés pour avoir, pour s'affirmer avec plus de sérénité, moins de stress, malgré l'insistance et l'agressivité de l'autre personne, puis sans ressentir une grande culpabilité. On part donc. Vous avez sûrement déjà vu ces chiffres-là, 7% de notre communication qui passe par les mots, 38% par le ton, le timbre et l'intonation, et 55% par le non-verbal. Ça, c'était une étude de Mérébian qui avait été faite dans un contexte très particulier, difficilement reproduisable dans la vraie vie. Donc, il y a d'autres études qui ont été faites qui nous ont montré qu'on a 10% de notre message qui passe par les mots et 90% de notre message qui passe par le corps. Mais peu importe les statistiques, ce qui est important de comprendre, c'est que, évidemment, selon la situation, on peut avoir toutes sortes de réactions. Si vous sortez de chez vous et qu'il y a un accident au coin de la rue, vous allez avoir des gens qui vont se dépêcher de prêter main forte. Vous allez avoir des gens qui vont figer sur place et vous allez avoir des gens qui vont faire comme s'il n'y avait rien vu puis qui vont continuer leur chemin. Ça, c'est pas de l'analyse du langage corporel. Ça, c'est de la psychologie. Donc, évidemment, quand on analyse le langage corporel, ce qu'on analyse, c'est par exemple, est-ce qu'il y a un changement au niveau de votre rythme cardiaque? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de votre respiration? Est-ce qu'il y a un changement au niveau de votre posture, de votre façon de marcher, de votre façon de faire une poignée de main? Est-ce que vous avez une démangeaison ou une dilatation de pupille? Donc, on vérifie vos réactions physiologiques parce que à ce moment-là, on va être en mesure de voir si tout se passe bien puis dans quel état vous êtes. Parce que vos états corporels, évidemment, vont être visibles sur votre corps. Si vous éprouvez une émotion pure, comme par exemple la colère, ben vous allez avoir, à ce moment-là avoir une augmentation du rythme cardiaque. Vous allez avoir une augmentation de votre rythme de respiration. Vous allez avoir une augmentation de votre température corporelle et par conséquent une augmentation de votre sudation. Vous allez avoir une rétractation des pupilles. Que vous soyez sénégalais, que vous soyez japonais, que vous soyez québécois, les réactions physiologiques face à une colère pure sont les mêmes. Donc, évidemment, on va pouvoir l'observer. Maintenant, ce que vous allez faire avec cette colère-là, bien là, ça va dépendre évidemment de votre personnalité, de votre vécu. Mais à l'intérieur de votre corps, la première réaction, c'est ça qui va être en lien avec votre état. Puis ensuite, on va voir quels sont les mécanismes de défense qui vont se mettre en place. Ce qui fait que les mensonges, évidemment, vont être visibles pour quelqu'un qui sait quoi observer et qui a une base de référence. Si c'est la première fois que vous voyez la personne puis que vous ne l'avez pas fait parler de d'autres choses avant, ça va être plus difficile de vérifier si c'est un mensonge ou si c'est la vérité. Maintenant, petit rappel, vous avez trois couches au niveau de votre cerveau. Vous avez en arrière, en bas, ce que l'on appelle le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le siège des pulsions. Au milieu de votre crâne, vous avez ce que l'on appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est le siège des émotions. Et sur le dessus, vous avez ce que l'on appelle le cerveau cortical. Le cerveau cortical, c'est le siège du raisonnement. Maintenant, biologie, secondaire 3, l'hémisphère gauche gère la partie droite du corps et l'hémisphère droit gère la partie gauche du corps. Dans votre hémisphère gauche, vous avez ce que l'on appelle l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. Vous n'avez pas besoin de retenir les noms, mais retenez que c'est là où se joue le langage entendu et le langage parlé. Et dans l'hémisphère gauche, on a donc l'organisation du discours, mais on a aussi tout ce qui s'appelle structure, processus, procédure, mathématiques, casse-tête. Donc, l'organisation de la pensée et l'organisation du discours, c'est dans votre hémisphère gauche. Et c'est ça qui pilote la partie droite de votre corps. Dans votre hémisphère droit, vous avez tout ce qui s'appelle les liens entre les idées, les liens entre les pensées, les liens entre les émotions. Donc, les liens sont dans l'hémisphère droit. Donc, c'est un hémisphère de créativité, c'est un hémisphère beaucoup plus kinesthésique, c'est un hémisphère d'émotion. Et c'est ça qui pilote la partie gauche de votre corps. Ça fait donc que les réactions à gauche et à droite ne sont pas du tout les mêmes parce que ce sont deux pilotes distincts qui les commandent. Évidemment, les deux pilotes se parlent. Mais ce sont deux pilotes distincts, ce qui fait que les réactions à gauche et à droite ne sont pas les mêmes. Maintenant, on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Les études en 2018 sont allées même jusqu'à 90 000 pensées par jour. Donc, évidemment, c'est énorme pour le cerveau de gérer tout ça, ce qui fait que le cerveau va en discarter certaines. Il y a plusieurs de vos pensées, en fait, qui vont demeurer inconscientes parce que vos pensées naissent dans une partie inconsciente et ça va prendre un certain délai avant que ça se rende jusqu'à la conscience. Et donc, 80% comme ça de vos pensées vont demeurer dans votre inconscient. Il y a une recherche qui avait été faite où on branchait des électrodes sur le corps des gens et on leur avait présenté des images érotisantes.
Et l'objectif, c'était de voir le délai avant qu'on se retrouve avec des signes d'excitation. Évidemment, on s'est trouvé avec une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation du rythme de la respiration, une augmentation de la température corporelle, une augmentation de la sudation, une dilatation des pupilles, ce qui est tout à fait normal quand on est excité. Mais ce qui a été particulier dans cette expérience-là, c'est qu'on s'est rendu compte que les signes d'excitation survenaient 5 minutes avant que les gens soient conscients qu'ils étaient excités. Parce que les signes d'excitation, évidemment, sont des réactions physiologiques et non pas des réactions conscientes et rationnelles. Donc, le corps donnait énormément d'indices aux chercheurs sans que la personne soit elle-même consciente qu'elle était excitée. Donc, le cerveau va comme ça distinguer, va discarter certaines de vos pensées. Et il y a une recherche aussi qui avait démontré qu'on avait demandé à des participants de s'asseoir sur un siège et en avant d'eux, il y avait un gros bouton rouge. Et au moment où ils se sentaient prêts, ils devaient aller peser sur le bouton. Puis évidemment, on a branché plusieurs électrodes, on a pris un IRM pour voir l'imagerie médicale, pour voir ce qui se passait dans le cerveau. Et quand les gens se sentaient prêts à peser sur le bouton, mais évidemment, ils tendaient la main puis ils pesaient sur le bouton rouge. On s'est rendu compte avec cette expérience-là que les gens, la décision de peser sur le bouton, en fait, elle se prenait dans une zone inconsciente du cerveau. Et avant que la décision se rende jusqu'à une zone consciente du cerveau, il y avait un délai entre la pensée inconsciente et la pensée consciente qui était de 4 à 10 secondes. Ça veut dire que pendant 10 secondes, votre inconscient a pris la décision de peser sur le bouton. Vous ne le savez pas encore. Mais votre cerveau gère cette décision-là. Votre corps donne plein d'indices aux gens autour de vous, mais vous ne savez même pas que vous avez pris la décision de peser sur le bouton. 10 secondes, c'est extrêmement long. Donc, évidemment, ça veut dire que votre corps lance plein de messages à votre insu. Je vous invite d'ailleurs à le regarder sur Google, taper sur les recherches sur le libre arbitre. Vous allez à ce moment-là trouver énormément d'informations là-dessus. Et évidemment, en psychiatrie, on a démontré que vous exprimez à votre entourage un maximum de 20 % de vos pensées conscientes. Évidemment, il y a plusieurs, 80 % de vos pensées demeurent dans l'inconscient. Ça n'empêche pas que 100 % de vos pensées ont un impact sur votre langage corporel, parce que même si vous n'êtes pas conscient de vos pensées, le cerveau a géré la pensée et le cerveau y a réagi, donc le corps y a réagi aussi. Vous avez dans le visage ce que l'on appelle des muscles involontaires. Un muscle involontaire, c'est un muscle qui ne se contracte que si vous ressentez l'émotion. Si vous ne ressentez pas l'émotion, à ce moment-là, le muscle ne se contracte pas. Les muscles involontaires, vous en avez entre autres autour des yeux et vous en avez autour de la bouche. C'est ce qui fait que vous êtes en mesure de reconnaître un vrai sourire d'un sourire forcé. Parce que dans un vrai sourire, à ce moment-là, vous allez avoir les petites pattes de doigts qui vont apparaître, la paupière inférieure va remonter, vous allez avoir un étirement de l'orbite de l'œil et vous allez avoir aussi la commissure des lèvres qui va être remontante. Si c'est un faux sourire, à ce moment-là, vous n'aurez pas les pattes de doigts, vous n'aurez pas la paupière qui remonte, vous n'aurez pas les yeux étirés, puis la commissure des lèvres va être étirée à l'horizontale et non pas remontante. Donc, il y a plein de muscles comme ça que vous avez un peu partout, qui sont des muscles involontaires, que vous ne pouvez pas contracter comme vous voulez. Il faut ressentir l'émotion pour être en mesure à ce moment-là de faire participer ces muscles-là. Puis évidemment, bien, vous avez aussi un bagage qui vient de votre famille. Vous avez un certain conditionnement. On vous a appris à donner une poignée de main d'une certaine façon. On vous a appris à bouger d'une certaine façon. Votre inconscient a enregistré beaucoup d'informations de votre entourage. Il y a d'ailleurs une recherche qui avait été faite sur la démarche et on s'était rendu compte, en fait, que les gens se font une idée de leur interlocuteur en l'espace de 10 secondes. En 10 secondes, ils savent si la personne en avant d'eux est quelqu'un de fiable ou pas. Donc, la démarche et la poignée de main, ce sont souvent les deux premiers indicateurs qui vous permettent d'avoir une idée de la personnalité de votre, évidemment, interlocuteur. L'autre chose, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce que l'on appelle le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, c'est une zone de votre cerveau là où la colonne vertébrale vient s'attacher à votre cerveau. Il y a ce que l'on appelle une zone qu'on appelle la formation réticulée et là-dedans, on a le système réticulé activateur. Évidemment, votre cerveau doit traiter des millions d'informations par jour parce que les informations rentrent par vos 5 sens. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous goûtez, tout ce que vous percevez de votre entourage, le cerveau doit traiter cette information-là.
Mais c'est beaucoup d'informations, c'est des millions d'informations. Fait qu'évidemment, ces millions d'informations-là, vous ne pouvez pas toutes les traiter en même temps, sinon votre cerveau serait saturé. Donc, le système réticulaire activateur, il sert de filtre et il va déterminer quelles sont dans toutes ces millions d'informations-là les informations qui vont être amenées à votre conscience. Ce qui fait que, évidemment, vous ne verrez pas la même chose que la personne qui est à côté de vous, vous ne percevrez pas les mêmes éléments. Les filtres sont déterminés en fonction de l'éducation que vous avez, du vécu que vous avez, des blocages que vous avez, des blessures que vous portez. Donc, si vous avez vécu dans une famille où il y avait beaucoup de violence, mais vous allez percevoir davantage la violence autour de vous parce que c'est quelque chose pour lequel il y a une émotion d'attachée. Donc, le système réticulaire activateur considère que comme il y a une émotion d'attachée à ça, c'est important. Jean-Pierre Gagné, qui est un coach, avait raconté une expérience très, très, très surprenante où on a mis dans une salle des hommes. Là-dedans, on en avait qui étaient des hommes violents et on en avait des hommes qui étaient des hommes sains. Dans une autre salle, on avait mis des femmes qui avaient été victimes de violences conjugales et des femmes qui n'avaient jamais été victimes de violences. Et on a demandé à chaque femme, une par une, de rentrer dans la salle des hommes, de faire le tour de la salle sans s'adresser à personne, de ressortir de la salle et d'identifier dans cette salle-là trois hommes qu'elle jugeait sains et non violents. Les femmes qui n'avaient jamais été victimes de violence ont identifié les hommes sains comme étant sains. Les femmes qui avaient été victimes de violence ont identifié les hommes violents comme étant des hommes sains. Donc, même si elles connaissaient la violence, même si elles pouvaient la reconnaître, elles identifiaient les hommes violents comme étant des hommes sains parce que le système réticulé activateur est programmé comme ça dans leur tête. Fort heureusement, un système réticulé activateur, ça se reprogramme, mais il faut faire des exercices pour créer de nouveaux chemins neuronaux parce qu'il est basé sur nos croyances et sur nos biais d'observation. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne travaille pas ça, bien évidemment, on est pris avec le résultat. Et c'est comme ça d'ailleurs que se développe ce que l'on appelle l'effet Pygmalion et l'effet Golem. C'est parti en fait d'une expérience qui a eu lieu dans les années 50. À la base, c'était une erreur, mais ils en ont fait une expérience. On a un directeur d'école qui a fait passer des examens d'intelligence aux enfants, mais qui a interchangé les résultats. Il a donc dit à un professeur, vous avez une classe vraiment là, de bolés, ils sont extraordinaires. Mais à la base, c'était des enfants qui avaient énormément de difficultés dans leur réussite scolaire. Puis on a dit à d'autres profs, ben je suis désolée, mais cette année, vous avez une cohorte qui est beaucoup plus difficile. Vous avez un regroupement d'enfants qui a des difficultés. Vous avez des cancres. Mais ce n'était pas vrai, dans ce sens que ces enfants-là avaient, au contraire, d'excellentes notes à l'école. Mais à la fin de l'année, les profs à qui on avait dit, vous avez vraiment une classe de bolés, de gens particulièrement intelligents, ces enfants-là avaient tous des notes nettement supérieures à la moyenne nationale. Mais les profs à qui on avait dit, vous, je suis désolée, vous avez une classe de gens qui sont complètement pourris, ces enfants-là, 30% étaient en situation d'échec et la plupart étaient en situation d'anxiété sévère. Donc, les enfants reproduisent ce que l'on pense d'eux, même si ce n'est pas leur état d'origine. C'est la même chose avec les adultes. Donc, si vous partez avec l'idée que la discussion que vous allez avoir avec quelqu'un va être merdique, ben, je vous le confirme, elle va être merdique parce que l'autre personne va réagir à votre attitude, va réagir à votre intention. Donc, si vous avez une perception positive de l'autre personne, mais une vraie intention positive, là, pas du fake, là, pas faire semblant de, pas de la pensée positive, mais vraiment une vraie intention positive, une vraie impression que ça va bien se passer, donc une foi dans votre capacité à bien communiquer, à ce moment-là, l'autre personne va bien réagir. C'est ce que l'on appelle l'effet Pygmalion. Si vous avez l'impression que ça va être une discussion merdique, ben l'autre personne va répondre à ce moment-là à votre attitude et ça va être une discussion merdique. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'effet golem. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on se retrouve avec des phénomènes d'impuissance apprise. Donc, si vous avez eu, par exemple, vous l'avez sûrement déjà vécu, un mauvais prof, il y a des profs qui devraient prendre leur retraite plus tôt que prévu. Mais évidemment, si vous avez un prof qui est écœuré d'enseigner, mais ce prof-là, quand il enseigne, évidemment, ça ne tente plus, puis il donne l'impression aux élèves à ce moment-là que son poche, son niaiseux, puis ils devraient donc comprendre. Mais les enfants finissent par l'intégrer, puis finissent par reproduire ce que le prof pense d'eux. Sauf que si vous avez eu, par exemple, un prof de mathématiques qui n'était pas particulièrement habile dans ses relations sociales, bien évidemment, ça se peut qu'il ait donné l'impression à certains élèves qu'il ne comprenait pas assez vite, puis qu'il n'avait pas la base des mathématiques. Ce qui fait que cet élève-là, bien, il va se mettre à croire qu'il est pourri en mathématiques.
Et à un moment donné, ben, l'année d'après, ben, il veut partir avec l'idée que lui, de toute façon, les mathématiques, c'est pas pour lui. Donc, il part déjà avec une prise. Ce qui fait que quand il va arriver dans un cours de mathématiques, son cerveau va mettre en place des blocages pour l'empêcher d'apprendre, pour l'empêcher de comprendre. C'est ce que l'on appelle de l'impuissance apprise. Et si cet enfant-là, on lui donne l'année suivante, au contraire, un prof qui va tout faire pour le motiver, lui faire comprendre, puis qui va lui donner le sentiment qu'il est capable d'y arriver, on peut défaire ces blocages-là. Mais s'il se retrouve une deuxième année avec un prof qui considère que lui, de toute façon, il n'y a rien à faire avec, ben tranquillement, l'enfant se met à croire que lui, les mathématiques, il n'y arrivera jamais. Donc, ça, c'est l'impuissance apprise. Donc, si vous partez avec l'idée que vous n'arriverez jamais à vous affirmer, que pour vous, là, oser vous affirmer, ça va être vraiment difficile parce que dans votre famille, il n'y a personne qui était capable de s'affirmer comme du monde, puis que tout le monde s'en voyait promener ou s'engueulait. Ben, il faut défaire ce blocage-là parce que ce blocage-là, vous l'avez dans votre tête, vous l'avez créé et vous pouvez donc le défaire. C'est un verrou dont il va falloir se débarrasser. Puis évidemment, ben, si vous partez avec l'idée qu'une discussion va être merdique ou va être vraiment houleuse ou vraiment difficile, ben, votre corps, à ce moment-là, va sécréter de l'adrénaline, il va sécréter surtout du cortisol, l'hormone de stress. Puis évidemment, il va se mettre à sécréter certaines phéromones qui sont des phéromones d'attaque et d'agressivité. Vous avez sûrement déjà entendu parler des chiens qui pissent un peu partout pour délimiter le territoire. Évidemment, c'est pas l'urine qui délimite le territoire. Ce sont les phéromones de territoire qui se trouvent dans l'urine. Vous avez sûrement entendu parler des phéromones sexuelles, donc une hormone qui va sortir de notre corps par notre respiration, par notre peau, par notre sudation, et que les gens autour de nous vont évidemment percevoir à leur insu. Donc, les femmes en période d'ovulation, c'est là où on va avoir des phéromones. Les hommes qui ont un désir de reproduction vont se mettre à sécréter des phéromones sexuelles à ce moment-là. Et les gens réagissent à ça. C'est ce qui fait que dans un bureau, d'ailleurs, si vous avez des gens qui ont un cycle menstruel régulier et des gens qui ont un cycle menstruel irrégulier, les femmes qui ont un cycle menstruel irrégulier vont s'harmoniser avec celles qui ont un cycle menstruel régulier parce que les phéromones finissent par interagir les unes sur les autres, ce qui fait que toutes les femmes sont menstruées en même temps. Donc, évidemment, plus vous allez être conscient de votre attitude, plus vous allez être conscient de vos blocages, plus vous allez pouvoir communiquer de façon efficace. Au niveau du langage corporel, évidemment, ce qu'on regarde, c'est la posture, c'est votre démarche, c'est la position assise sur la chaise, les gestes que vous faites, les micro-caresses, ça c'est quand vous caressez votre bras, quand vous frottez le menton. On va regarder les croisements de bras, les croisements de jambes. On va regarder ce que l'on appelle les mains en prise. Ça, c'est une main 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 en prise. On va regarder les démangeaisons. On va regarder les poignées de main. On va regarder comment vous jouez avec vos vêtements, que ce soit une veste, comment vous tirez sur votre chandail, sur votre pantalon. On va regarder aussi comment vous jouez avec vos cheveux. Si monsieur n'a plus de cheveux, évidemment, à quel moment il va se flatter le crâne. On va regarder aussi comment vous jouez avec les objets. Donc, comment vous tenez, par exemple, votre tasse, est-ce que vous passez votre doigt dans l'anse, comment vous tenez votre crayon, comment vous tenez votre tablette de papier, comment vous tenez vos lunettes, comment vous tassez les miettes de pain sur la table, comment vous déposez vos clés, comment vous donnez votre carte d'affaires. On va regarder aussi les contractions au niveau du visage et au niveau du cou. On va regarder les mouvements de la tête, on va regarder les mouvements des sourcils, on va regarder les mouvements des yeux, on va regarder la dilatation, la rétraction des pupilles, on va regarder les mouvements de la bouche, on va regarder les mouvements de la langue. Si vous pensez que vous n'en faites pas, moi je vous en ai fait plusieurs depuis le début du webinaire. On va regarder aussi la façon de sourire, on va regarder la façon d'essuyer une larme, on va regarder la déglutition et on va regarder ce que l'on appelle la goutte de malaise, donc à quel moment vous prenez une gorgée d'eau ou de café ou de vin ou de ce que vous voulez. Donc, évidemment, votre corps parle continuellement et vous ne pouvez pas contrôler l'ensemble de votre langage corporel. Moi, j'ai 1700 gestes d'enregistrer dans ma tête à analyser quand je rencontre quelqu'un. Fait qu'évidemment, vous ne pouvez pas contrôler 1700 gestes en même temps. Et surtout, en vous rappelant que vous êtes au courant de vos pensées 10 secondes après que votre corps ait donné des indices et en vous rappelant qu'il y a beaucoup de muscles de toute façon qui sont involontaires que vous ne pouvez pas contrôler. Mais votre corps parle continuellement, comme le démontre l'image suivante, même si ce sont des personnalités publiques, même si ce sont des gens qui savent qu'ils sont pris en photo. Je pense que si vous regardez la photo, vous allez vous rendre compte que le non-verbal est assez éloquent. Dans la photo suivante, je vous invite à deviner qui est le couple le plus heureux et qui est le couple le moins heureux. Je pense que le langage corporel est assez éloquent.
Donc, une première clé quand on veut décoder et s'affirmer avec bienveillance, c'est de comprendre que le corps et le cerveau sont modelables. Avant, on pensait qu'une fois que le cerveau était formé, il ne pouvait plus être modifié. Les recherches en neurosciences ont démontré que c'est faux. On peut créer de nouveaux chemins neuronaux. C'est le cas, entre autres, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous créez de nouveaux chemins neuronaux et c'est donc possible de modifier physiologiquement votre cerveau en créant de nouveaux liens par certains exercices. C'est ce que l'on appelle la plasticité. Donc, il y a une plasticité au niveau de votre cerveau qui permet à ce moment-là de modifier les façons de penser et les façons de réagir. Puis, il faut comprendre à ce moment-là l'influence de la posture, l'influence de ce que j'appelle l'ARG, l'axe rotatif gauche, ça c'est un terme de synergologie, et l'influence du toucher. Alors, on regarde ça en détail. La posture, évidemment, il faut bien comprendre que votre tronc cérébral contient évidemment votre moelle épinière et votre moelle épinière, c'est ce qui fait l'autoroute de l'information entre votre cerveau et le reste de votre corps. Si on utilise l'analogie d'une autoroute pour véhicule, évidemment, on sait que si l'autoroute est en ligne droite, on peut aller beaucoup plus vite que si l'autoroute est sinueuse. Donc, si vous avez une bonne posture, une posture que l'on appelle en karatéka une longue posture allongée, les physiothérapeutes vont dire qu'il faut imaginer qu'on a un fil au bout de notre crâne et qu'on allonge notre colonne vertébrale. Donc, à ce moment-là, notre posture, elle est optimale. Et à ce moment-là, l'information circule beaucoup plus facilement entre le cerveau et évidemment nos organes et nos muscles. Mais si on est tout effoiré, bien à ce moment-là, l'autoroute vient d'avoir des courbes, il va y avoir des plis à certains endroits, ce qui fait que l'information circule moins bien. Les études des physiothérapeutes ont identifié que le fait d'avoir une mauvaise posture fait qu'il y a certaines hormones qui ont de la difficulté à circuler, il y a certains circuits aussi qui ont de la misère à se faire, il y a des messages qui ne passent pas entre le cerveau et le reste du corps. Fait qu'évidemment, s'il nous manque des informations, vous, si vous travaillez et qu'il y a 30% des courriels qui ne rentrent pas, bien évidemment, vous allez avoir des problèmes avec certains clients. C'est la même chose avec la posture. Une mauvaise posture fait qu'il y a des messages qui ne se rendent pas soit en direction du cerveau, soit de la part du cerveau. Donc, ça va venir, évidemment, changer énormément d'informations. Puis, on s'est rendu compte, tant au niveau des neurosciences qu'au niveau des physiothérapeutes et des psychologues, que quand on a une posture qui est plus avachie, notre corps se met à sécréter du cortisol, l'hormone de stress. Et on s'est rendu compte que si au contraire on se force à sourire, on se force à se redresser, le corps arrête de sécréter du cortisol. Ça veut dire que votre posture a un impact sur votre niveau d'énergie réel et a un impact aussi sur la confiance que vous éprouvez face à une situation. Parce qu'il y a des expériences qui ont démontré que si on prenait des participants, on leur laisse dans leur position avachie et on les laisse à ce moment-là réagir à certains stimulants qui sont plus stressants, les indices de stress augmentent. Par contre, si on oblige les gens à avoir une bonne posture malgré qu'ils ont un stimuli stressant, à ce moment-là, le corps réagit plus positivement. Il y a moins de cortisol qui est sécrété, puis il y a plus d'hormones positives qui vont être sécrétées, comme de l'endorphine, par exemple, qu'on va éprouver après un effort physique. Donc, votre posture vient modifier la chimie de votre corps et la chimie de votre cerveau. Et donc, évidemment, si vous êtes après une journée difficile, vous allez chez un massothérapeute, par exemple. Mais le massothérapeute, dans la salle d'attente, là, juste à vous regarder marcher puis à regarder comment vous êtes assis, il sait si vous avez eu une bonne journée ou une mauvaise journée parce que ça vient affecter votre posture. Mais si le massothérapeute le voit, ça veut dire que le mentor et le manipulateur aussi le voient parce qu'évidemment, ils sont alertes là-dessus. Il y a une recherche qui avait été faite où on a questionné des gens en prison sur qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient choisi telle ou telle victime pour commettre des crimes sexuels. Et on s'est rendu compte avec une analyse d'IRM, entre autres, de ce qui se passe dans leur cerveau, puis aussi avec des questionnaires qu'on leur faisait passer et des entrevues, qu'en fait, ils choisissaient la victime en fonction de la démarche. Parce que par la démarche, ils arrivaient à identifier si la victime allait se débattre ou pas.
Ça veut dire que le manipulateur, évidemment, va analyser votre langage corporel et va essayer de trouver dans votre langage corporel des indices qui lui permettent de savoir s'il y a une faille qu'il est capable d'utiliser. Ça veut dire que, évidemment, il faut faire attention à votre posture. C'est Max Piccinini qui nous faisait faire un exercice à un moment donné dans une formation, puis il disait aux gens, mettez vos doigts sur votre sternum et enfoncez vos doigts dans votre sternum. Puis il disait, enfoncez-les encore plus. Puis il disait, dans cette position-là, allez dire, je suis débordant d'énergie. Évidemment, comme on ne le croit pas, on ne le ressent pas, on n'est pas convaincant quand on le dit. Puis il nous disait, au contraire, redressez votre corps, souriez à pleines dents, puis allez dire, je suis malheureux comme un pou. Et là non plus, on ne le croyait pas. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ça qu'on ressentait. Ce qui fait que si vous savez que vous allez avoir une discussion avec quelqu'un, vous savez que le sujet est délicat, il faut absolument être totalement présent et avoir une posture de vainqueur. Avoir une posture droite pour permettre à votre moelle épinière de transmettre les bonnes informations, pour permettre à votre corps de sécréter les bonnes hormones. Aidez-vous pour être en mesure, évidemment, d'être vraiment dans une posture optimale. Je vous parlais de l'axe rotatif gauche. Évidemment, on a plusieurs positions de tête, là. On a l'axe sagittal ici, on a l'axe rotatif ici, puis on a l'axe latéral ici, ce qui donne une possibilité de 27 positions de tête. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans notre inconscient, quand l'autre personne nous regarde en nous présentant l'émi-visage gauche, on est plus réceptif à ce qu'il nous dit. Par contre, quand l'autre personne nous présente l'émi-visage droit, on est moins réceptif, on est plus vigilant à ce que l'autre nous dit. Et on s'est rendu compte aussi que quand nous, on est bien, qu'on est détendu, notre tronc cérébral se détend et automatiquement notre tête présente l'émi-visage gauche. Par contre, quand on est stressé, le tronc cérébral se rigidifie et on présente à l'autre personne notre émi-visage droit. Comment savoir si la personne vous présente l'émi-visage gauche ou l'émi-visage droit? Évidemment, c'est sa gauche à elle. Fait que les premiers temps, vous allez vous revirer pour savoir si c'est la bonne gauche ou la bonne droite. Mais je vous invite à regarder les oreilles. Parce qu'évidemment, si la personne présente l'émi-visage gauche, c'est l'oreille gauche qu'on va voir davantage. Si la personne présente l'émi-visage droit, c'est évidemment l'oreille droite que l'on va voir davantage. Donc, si vous savez que vous avez une conversation que vous devez avoir avec quelqu'un et cette conversation-là est sur un sujet délicat, partez volontairement la conversation en présentant l'émi-visage gauche. Parce que là, vous lancez le message à votre cerveau que vous souhaitez être dans une relation plus harmonieuse. Si vous partez tout de suite avec l'émi-visage droit, mais à ce moment-là, le cerveau est déjà en mode vigilance. Donc là, vous vous battez avec votre propre cerveau. Donc, volontairement, consciemment, en pleine conscience, on présente le côté gauche du visage parce que vous pouvez avoir une influence sur ce qui se passe dans votre inconscient. Un autre élément, le toucher, parce qu'on a plusieurs études qui ont été faites, entre autres avec des médecins, où on a demandé, et on s'est rendu compte en fait que la moitié des gens ne prennent pas leur posologie au complet, ne prennent pas l'ensemble des pilules qu'ils devraient. Donc, pour essayer de régler ça, en fait, on a demandé aux médecins, quand ils remettaient la prescription, de prendre le temps de toucher l'avant-bras du patient. Et on s'est rendu compte que à ce moment-là, 80 % des gens prenaient la posologie au complet, contrairement à 50 %. Donc, évidemment, c'était excellent, mais les médecins ne l'ont pas cru. Fait qu'on s'est dit, OK, on refait l'expérience, on prend deux groupes. Donc, des médecins qui, au moment où ils donnent la posologie, touchent l'avant-bras, puis des médecins que, quand ils donnent la posologie, ils ne touchent pas le patient. Les médecins qui n'ont pas touché l'avant-bras, évidemment, on se retrouve avec 50 % des patients qui ne prennent pas le médicament au complet. Les médecins qui touchent le patient, 80 % des patients prennent la posologie au complet. Pourquoi? Parce que le fait de toucher permet de créer une connexion avec l'autre. Ça consolide le lien de confiance. Et à ce moment-là, les gens accordent davantage de crédibilité à leur interlocuteur. Évidemment, il faut que le toucher soit accepté. Si vous touchez l'avant-bras de l'autre puis l'autre sortir la main, le toucher n'est pas accepté, il ne fonctionnera pas. Mais on fait à ce moment-là d'autres études, évidemment, avec des vendeurs de véhicules, entre autres, où on s'est rendu compte qu'on augmentait considérablement les ventes simplement en raison du toucher. Et on fait d'autres expériences aussi dans un contexte de séduction. Donc, on a demandé à des participants volontaires dans une situation de cruise, donc de toucher l'interlocuteur dans des moments clés.
et les gens qui touchaient l'avant-bras ou l'épaule ou le coude et que le toucher était accepté, mais repartaient dans une très forte majorité, là, à 90%, avec le numéro de téléphone de leur interlocuteur, contrairement aux autres. Donc, le toucher, c'est vraiment une clé très importante qui permet non seulement de créer un lien de confiance et de crédibilité, mais qui permet aussi de désamorcer des situations. Parce que quand on enseigne la situation, la désamorce d'une situation de conflit, on va dire aussi que si vous arrivez à toucher votre interlocuteur doucement et que le toucher est accepté, la colère de l'autre va totalement se désintégrer. Puis je me souviens d'une situation réelle où j'ai devant moi un policier, il est gigantesque, il fait 6 pieds 4 ou 6 pieds 5, et il est très en colère contre son patron parce qu'il y a une demande qui a été refusée. Mais il est vraiment dans une colère noire, je ne l'avais jamais vu comme ça, et il y a un de ses collègues qui arrive, puis entre policiers, il s'appelle tout le temps le gros, entre policiers et entre pompiers, c'est comme ça qu'il s'appelle, et l'autre policier arrive, puis il dit « calme-toi le gros ». Évidemment, l'autre, au contraire, il n'est pas calme, mais pas en tout, là. Il est en train de péter une coche. Et là, le policier commence, le deuxième policier, donc le policier qui vient le calmer, s'assure de juste déposer un index sur le bras de son collègue. Et là, déjà là, ouf, le ton monte. Puis il est proche, là. Il parle, puis il est à très, très, très proche. Il est à 30 cm de l'autre, là. Et là, il attend quelques secondes, puis il continue de lui parler d'une voix calme. Et là, il pose deux doigts, mais là, cette fois-ci, sur le torse de son collègue. Le toucher est accepté. Il pose trois doigts. Le toucher est accepté. Il pose quatre doigts. Le toucher est accepté. Quand il a déposé les cinq doigts, l'autre était totalement calme. Donc, le toucher permet de désamorcer un conflit. Ce qui fait que quand j'interviens, par exemple, sur un adolescent qui est en train de se désorganiser, je vais m'assurer d'avoir un toucher généralement assez rapidement. Quand je suis avec un client qui est totalement dans une colère noire, monstre et qui déplace des meubles autour de lui, je vais m'assurer d'avoir un toucher dès les trois premières minutes parce que ça me permet de le désamorcer. C'est la même chose dans un cours de karaté. Des fois, on a des gens qui ont des vieilles blessures psychologiques qui ressortent, par exemple, pendant un combat. Je vais m'assurer à ce moment-là d'intervenir très, très rapidement et d'avoir un toucher au niveau du poignet ou au niveau de l'épaule, mais très, très rapidement parce que ça permet de désamorcer très vite la colère qui était montante. La deuxième clé, évidemment, le mensonge a une utilité. Ça, généralement, les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais c'est quand même vrai. Le mensonge a une raison. Les psychologues disent que l'on ment en moyenne entre 6 et 200 fois par jour. Vous allez me dire que c'est énorme, que ça ne se peut pas. Malheureusement, c'est vrai. Il y a plusieurs expériences qui ont été faites, entre autres aux États-Unis, où on a démontré que si on faisait un entretien dans les 10 premières minutes, déjà 60% des gens avaient déjà menti dans un entretien très simple. Et c'est normal parce que il y a plein de situations où on n'ose pas vraiment dire ce qu'on pense. Faites juste penser, vous rencontrez des nouveaux parents qui ont un nouveau bébé puis que le bébé ne correspond pas à vos critères de beauté. On s'entend-tu que vous n'allez pas dire aux parents que le bébé il est laid comme un pichou, là? Vous allez dire que le bébé, il est donc bien beau, parce que c'est la réponse socialement acceptable. Mais il y a plein de situations comme ça. Quand quelqu'un vous demande comment ça va, ça ne vous tente pas de lui dire que ça ne va pas pantoute, que vous êtes dans une mauvaise période, puis ça ne le regarde pas, bien, vous allez répondre quand même, « Oh, ça ne va pas pire. » Si vous avez une amie qui vient de se faire couper les cheveux, puis qui est un peu stressée, puis qui est dans une mauvaise période, puis qui a besoin de savoir si ça lui fait bien, mais que vous savez que si vous lui dites que ça ne lui fait pas bien, qu'elle va être en lambeaux, ben, vous allez dire, ah, ben, ça fait différent, hein? Vous allez essayer de trouver une réponse qui ne va pas trop déranger, qui ne viendra pas la mettre à l'envers. Donc, il y a plein de situations où on ne dit pas vraiment ce qu'on pense. Alors, inévitablement, on se trouve à donner une autre réponse parce que ça nous convient mieux, mais il y a une raison à ça. Puis là, je vous invite à réfléchir à toutes les fois où vous-même, vous avez menti. Puis, qu'est-ce qui a fait que vous avez menti? Je raconte dans mon livre « Détecteur de mensonges » une anecdote qui s'est passée quand j'étais au primaire. On a toujours eu des chiens dans notre vie. Et à un moment donné, on est dans une période où on n'a pas de chien parce que le dernier est décédé. Et j'ai une de mes grandes tantes qui a un chien qui est un Rottweiler. Le chien jappe. Ça n'a pas de bon sens. Les voisins ne sont plus capables. Fait que la grande tante demande si on peut prendre le chien. Puis elle est bien désolée de se débarrasser. Elle aime son chien, mais il n'est pas dompté. Puis il jappe. Fait que mes parents acceptent de prendre le Rottweiler. Mais c'est un chien fou. On a toujours eu des chiens, nous, dans notre vie. Mais ce chien-là, il est massif. Fait qu'à tout bout de champ, il saute sur nous. Il est agressif. Il est difficile à gérer. On a vraiment de la misère. Puis à un moment donné, il saute sur ma plus jeune sœur, qui à l'époque a à peu près 5 ans.
Fait qu'évidemment, mon père, il trouve pas ça drôle et il fait euthanasier le chien. Sauf que là, on s'en va dans un party de famille, ma grande tante est là, puis ma mère n'a pas eu le temps de lui apprendre qu'on a fait euthanasier le chien, puis elle ne veut pas partir de cette discussion-là pendant un party de famille. Fait qu'elle nous avertit bien comme faut tout le monde, vous n'avez pas le droit de dire que le chien est mort. Fait que nous autres, on dit OK, mais tu sais, on ne s'en mêlera pas, mais on joue dans le salon, les adultes sont tous dans la salle à manger, puis à un moment donné, ma grande tante échappe à la vigilance de tout le monde, puis elle vient nous rejoindre dans le salon. Puis elle vient nous demander comment va le chien. Évidemment, on s'est fait avertir qu'on n'a pas le droit de parler du chien. Fait que là, moi, dans ma tête, là, j'ai pris quelques secondes et j'ai pas le droit de dire que le chien est mort. Donc, je me dépêche de dire, ben, il mange beaucoup, hein, et je pars sur des vrais éléments. Mais c'est comme si mon cerveau avait intervenu 2 mois plus tôt. Et je parlais de vrais cas, mais qui se sont passés 2 mois plus tôt pour ne pas être obligé de mentir. Sauf que j'ai jamais dit que le chien était mort. Évidemment, une de mes tantes a entendu la conversation, elle savait pour le chien, fait qu'elle se dépêche de s'en venir dans le salon, venir chercher ma grande tante puis la ramener. Et là, après ça, ma tante, elle me dit, comment t'as fait pour pas y dire, comment t'as fait pour y mentir? Ben, j'ai pas menti. J'ai dit la vérité. Mais la vérité d'il y a 2 mois. Parce qu'à ce moment-là, ça faisait en sorte que j'avais pas besoin de me dépatouiller avec le reste. Donc, il faut identifier pour quelles raisons vous-même vous avez menti. Est-ce que vous avez menti, par exemple, pour être poli? C'est la première fois que vous allez manger chez belle-maman. Belle-maman a fait de la soupe au pois. Vous aimez pas la soupe au pois? Ça se peut que vous mangez quand même. Parce que vous voulez être poli. Est-ce que vous voulez influencer une décision? Je sais pas, moi, vous passez une entrevue d'embauche. Vous n'avez pas tout à fait les qualifications, mais vous avez vraiment besoin de cet emploi-là. À ce moment-là, il est possible que vous enrobiez un peu vos qualifications. Est-ce que vous voulez camoufler une erreur? Vous voulez camoufler un mauvais comportement? Vous avez merdé sur quelque chose, puis vous essayez de vous rattraper, puis vous ne voulez pas que personne le sache parce que vous ne voulez pas avoir à subir les conséquences. Est-ce que vous voulez préserver un statu quo? Moi, je me souviens d'un client que lui, ses parents avaient beaucoup investi dans son entreprise, mais c'est sa blonde qui gérait. Puis sa blonde cachait certaines informations, mais il n'était pas capable de dire à ses parents que sa blonde lui cachait des informations parce qu'il ne voulait pas partir une chicane là-dessus, mais il savait que s'il questionnait sa blonde là-dessus, il avait droit à une chicane à la maison. Fait que pour essayer d'éviter un conflit, pour essayer de maintenir un certain statu quo pour pas que les parents se mêlent de la gestion, puis qu'à ce moment-là, sa conjointe soit dévoilée puis pète une coche elle aussi, ben il essayait évidemment de faire croire que lui était au courant puis que tout était beau. C'était pas vrai. C'était vraiment pas vrai. Est-ce que vous mentez pour pousser l'autre au dépassement? Des fois, on a des gens qui réussissent pas tout à fait. On a par exemple un adolescent qui a une mauvaise note. On dit, ben au moins tu t'es amélioré, tu sais, je suis fier de toi. C'est peut-être pas ce qu'on pense pour vrai, mais on essaye quand même de lui donner l'impression qu'on est fier de lui. Donc, est-ce que vous voulez contrôler les apparences? C'est le cas, par exemple, sur les sites de rencontres. Hein, combien de gens mentent sur leur grandeur, sur leur poids, sur leur âge parce qu'ils souhaitent mieux paraître? Est-ce que vous voulez empocher un profit? Il y a une expérience qui avait été faite extraordinaire sur les garagistes et les horlogers et les mécaniciens où on se rendait compte qu'ils faussaient certaines réparations pour, à ce moment-là, avoir une facture plus salée à présenter aux clients. Est-ce qu'il existe des gens qui veulent se réjouir du prix? C'est rare, mais ça existe. Puis vous allez avoir aussi des gens qui sont pas capables de regarder leur propre comportement. Et à ce moment-là, ils vont faire ce que l'on appelle de la projection. Et donc, ils vont projeter sur l'autre leur propre comportement. Je me souviens d'une cliente qui se plaignait de son ex manipulateur insistant et envahissant en disant que l'ex lui envoyait des textos puis qu'elle était plus capable de l'endurer puis c'était donc épouvantable ici et ça. Mais quand on analysait les textos, ben, elle lui répondait autant que lui y écrivait. Mais elle a considéré qu'elle était justifiée de le piquer avec ses textos. Fait qu'évidemment, il a fallu que je lui fasse voir son comportement envahissant, son comportement insistant. Et quand elle a été capable d'admettre qu'elle-même était envahissante et insistante, bien à ce moment-là, elle était capable de retravailler sa façon de communiquer avec son ex-conjoint. Puis c'est drôle parce que 90% des textos ont arrêté. Et la plupart des attaques ont arrêté parce qu'elle a fini par admettre qu'elle était elle-même envahissante et insistante. Donc, l'idée de la clé numéro 2, c'est de prendre conscience que le mensonge a une utilité. Donc, je vous invite dans les prochaines semaines à regarder les fois où vous mentez. Qu'est-ce qui fait que vous mentez? Évidemment, je vous ai présenté quelques raisons. Je vous ai présenté 8 raisons qui font qu'on va mentir. Il y en existe beaucoup plus que ça. Si vous vous procurez détecteur de mensonges, le prochain livre, vous allez en trouver plusieurs. La troisième clé, c'est que le manipulateur utilise une stratégie qui fonctionne sur vous.
Là, je vous présente 8 stratégies de manipulation. Évidemment, il en existe plus que ça, mais je veux qu'on en regarde 8 qui sont pas mal les plus populaires, je vous dirais, chez les manipulateurs. Une stratégie qui fonctionne très bien, c'est la stratégie que j'appelle noyer le poisson. Vous donnez tellement de détails que vous allez ne pas être capable de distinguer là-dedans ce qui n'est pas vrai. Donc, il vous donne, c'est ce qu'on appelle le principe du sandwich à marde. L'idée, c'est que pour qu'un mensonge fonctionne, il faut qu'il soit enrobé de beaucoup de vérités, parce que si vous avez 40 informations à traiter puis qu'il y en a deux là-dedans qui sont pas vraies, il y a plus de chances que vous les voyez pas passer, parce que vous en avez 38 qui sont vraies. Donc, quand on donne beaucoup de détails, c'est plus facile à ce moment-là de faire passer un mensonge. Donc, le manipulateur, le menteur, a tendance à mettre beaucoup de détails pour vous endormir. L'autre stratégie, flatter l'ego. Ça, c'est une stratégie que j'ai vue souvent. Des gens qui vont me dire, « Oh, Annabelle, je t'admire tellement, puis ici, puis j'ai lu ton livre, puis c'est tellement extraordinaire. » Et là, ils vont me passer une petite phrase là-dedans, puis j'espère évidemment avoir endormi ma vigilance en ayant flatté mon ego. Donc, si vous avez besoin de reconnaissance, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être considéré parce que vous avez eu peu de reconnaissance, par exemple, dans votre enfance, ben, c'est une stratégie qui peut fonctionner très bien avec vous. Donc, ça, c'est ça qu'il faut voir. Le menteur et le manipulateur ont tendance à se déresponsabiliser. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, que c'est jamais de sa faute, c'est ses collègues qui sont pourris, c'est son patron qui est pourri, c'est les enfants qui sont trop demandants, c'est toujours les autres qui, ça veut dire que cette personne-là a une tendance à la déresponsabilisation. Il faut regarder aussi si vous-même, vous avez une tendance à la déresponsabilisation, bien, vous allez être plus sympathique à quelqu'un qui a une tendance à la déresponsabilisation. Si vous avez une âme sauveur, ben vous allez évidemment avoir plus tendance à croire le manipulateur qui se déresponsabilise parce que vous allez vouloir l'aider. L'aider plus que lui veut s'aider. Donc, cette stratégie-là de se déresponsabiliser va bien fonctionner avec vous parce que vous avez une âme de Mère Teresa. Il faut regarder aussi les manipulateurs qui ont tendance à vous culpabiliser. Donc, si vous avez tendance à vous sentir coupable, si vous avez tendance à avoir honte, si vous voulez pas faire honte, évidemment, cette stratégie-là va bien fonctionner avec vous. Alors, il faut prendre conscience de ces petites stratégies-là. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le piège d'un manipulateur? Parce que plus vous allez être conscient de ces stratégies-là, moins à ce moment-là, le manipulateur va avoir d'impact, mais surtout, vous allez pouvoir identifier les exercices qui vont vous permettre de défaire ce blocage-là dans votre système réticulé activateur pour être en mesure de vous libérer. Évidemment, il y a des manipulateurs qui ont tendance à modifier le souvenir. Moi, je me souviens d'un client, lui, quand il allait rencontrer un partenaire, même si la rencontre n'avait pas bien été, quand il repartait, il disait que ça avait bien été, puis quand il retournait voir le partenaire, il disait « Oui, oui, la semaine passée, quand on s'est vu, vous étiez d'accord sur tel, tel, tel point. » C'était pas vrai pantoute. Mais il insistait tellement, puis il avait l'air tellement convaincant, qu'il réussissait à modifier le souvenir dans la tête de l'autre, parce que là, l'autre se mettait à dire « Mon Dieu, j'ai-tu dit ça? » Puis il reprenait des mots, mais il faisait juste changer un peu le sens de la phrase et il donnait l'impression à l'autre que finalement, c'est vrai qu'il était d'accord. Après 3-4 rencontres, le partenaire finissait par être tout à fait d'accord avec tout ce que l'autre avait dit. C'était pas vrai, il avait modifié le souvenir. Il y en a qui vont faire miroiter un gain. J'ai un de mes clients qui me disait qu'il y avait lui-même un de ses clients qui n'avait pas payé plusieurs factures depuis plusieurs mois. Puis quand il a dit, ben là, il faudrait payer parce que sinon, nous, malheureusement, on va devoir arrêter de vous offrir le service. Le client, il a répondu, ben là, j'ai toujours été un bon client, j'ai toujours bien payé. C'était pas vrai, j'ai toujours mal payé. Puis là, ben là, on était sur le point de faire un agrandissement au bureau, fait qu'on aurait pu te donner des contrats, mais c'est pas à toi qu'on va y donner d'abord. Là, on appelle ça faire miroiter un gain. Ça, c'est une façon de manipuler. Donc, vous donnez l'impression que vous venez de manquer une chance. Donc, ça, c'est une façon de manipuler. Il y en a qui vont s'associer à autrui. En anglais, on va utiliser l'expression « name dropping ». Donc, moi, les gens qui me disent « Oh, moi, j'ai été coaché par les plus grands. Oh, moi, j'ai rencontré les plus grands. » Puis, ils vont te nommer plein de noms comme ça. J'en ai des fois qui en entrevue d'embauche qui vont me dire « Oh, moi, j'étais l'homme du marketing derrière tel grand conférencier. » Mais le problème, c'est que les grands conférenciers, je les connais pas mal. Les gens qui s'occupent de leur marketing, je les connais pas mal aussi. Donc, des gens qui ont tendance à s'associer à autrui pour leur donner un petit peu plus de crédibilité. Mon conjoint m'avait raconté qu'à un moment donné, dans une activité de réseautage, il y a quelqu'un qui s'était vanté de me connaître et d'être une bonne amie à moi. Je ne savais même pas c'était qui. Mais la personne, évidemment, elle ne me connaissait pas. Fait qu'elle ne savait pas qui était mon conjoint. Donc,
Dans le groupe, il y a des gens qui savaient que Martin était mon conjoint, puis qui ont dit, ben tu dois connaître Martin d'abord. Fait qu'évidemment, la personne a eu l'air royalement fou. Et évidemment, le manipulateur va avoir tendance à limiter l'influence de l'extérieur. Un manipulateur n'aime pas beaucoup que vous ayez des amis, n'aime pas beaucoup que vous ayez un entourage. Parce que les amis, l'entourage, les proches, là, ça peut faire en sorte que les gens peuvent vous faire voir la manipulation. Fait qu'inévitablement, le manipulateur va avoir tendance à isoler sa proie. Il va dire, en tout cas, moi, je trouve que tes amis, ils ne te méritent pas bien. Hein, t'as-tu entendu le petit commentaire qu'ils t'ont fait? Là? Puis là, regarde, là, ils sont en train de jaser. Moi, je te dis, ils parlent de toi. Et là, il va instaurer le doute dans l'esprit de la proie pour faire en sorte que la personne soit ait moins tendance à aller voir ses amis, ait moins tendance à se confier, parce qu'à ce moment-là, bien, lui, il peut resserrer son emprise sur cette personne-là, puis il n'y a plus d'influence extérieure qui, à ce moment-là, va venir déranger. Ensuite, donc, il faut voir avec vous, qu'est-ce qui a marché pour vous? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé dans le piège d'un manipulateur? Parce que plus vous allez les identifier, plus on va être en mesure de le travailler. Clé numéro 4, évidemment, il faut diminuer la charge émotionnelle. Parce que essayez de communiquer de façon saine, sereine et harmonieuse quand vous avez l'émotion qui est à côté dans le plafond, c'est vraiment difficile. Fait qu'évidemment, il y a des règles de base. Ça prend une certaine hygiène de vie. Si vous l'avez sûrement déjà vu, des enfants qui sont fatigués, ça rechigne davantage, ça pleure davantage, ça crie davantage. Mais un adulte aussi. Donc, un adulte qui est fatigué, un adulte qui est malade, un adulte qui a une grippe, évidemment, va avoir plus de misère à communiquer de façon harmonieuse. Donc, ça vous prend une hygiène de vie qui vous permet à ce moment-là d'affronter certaines situations. Donc, il faut être en mesure de voir, est-ce que vous êtes bien dans votre peau? Est-ce que physiquement vous bougez? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous faites faire des massages? Est-ce que vous avez de l'activité physique? Ça prend une hygiène de vie. Comme dirait Eudoxie Adopo, bien, ça prend de la joie dans votre vie. Parce qu'évidemment, si tout vous semble pénible, bien, quand vous allez arriver pour avoir une discussion sur un sujet délicat, ça va être difficile. Parce qu'à ce moment-là, le terreau fertile, il est davantage à une communication difficile. Donc, ça prend une bonne hygiène de vie. Ça prend aussi des activités de défoulement. Donc, des activités qui vous permettent de faire sortir le cortisol de votre corps. Parce que le cortisol, il s'accumule puis il est difficile à évacuer du corps. Le cortisol, c'est l'hormone de stress. Donc, pour sortir l'hormone de stress du corps, il faut bouger. Il faut avoir du plaisir. Donc, moi, je fais du karaté. Mon fils fait du tir à l'arc. Mon chum est en escrime. Ma fille fait du karaté. Donc, faites une activité que vous aimez. Vous aimez ça danser? Ben, dansez. Mais faites quelque chose que vous aimez. Mon chum fait du flamenco. Donc, l'idée, c'est de faire quelque chose que vous aimez pour permettre au corps d'évacuer le cortisol parce qu'il l'évacue dans le mouvement. Mais évidemment, ça ne prend pas juste un moyen d'évacuer le cortisol, ça prend aussi un moyen de se ressourcer. Parce que dans votre cerveau, il y a 4 neurotransmetteurs extrêmement importants. Le GABA, la dopamine, la sérotonine et l'acétylcholine. Ces 4 neurotransmetteurs-là sont responsables de votre motivation, de votre courage, de votre capacité à oser vous affirmer. Fait que si ces 4 neurotransmetteurs-là sont en trop faible proportion dans votre cerveau, ça va être difficile de vous affirmer. Ça va être difficile d'oser dire et d'oser dire non. Et pour rééquilibrer ces 4 neurotransmetteurs-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut bien dormir, il faut bien manger, il faut bouger, il faut faire l'amour, il faut écouter de la musique, il faut méditer, il faut avoir de belles relations sociales. Donc, il y a plusieurs moyens de rééquilibrer ces 4 neurotransmetteurs-là, mais ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fait pas tout seul dans le temps. Il faut faire des efforts. Il ne faut pas attendre d'être motivé à faire de l'activité physique. C'est l'inverse. Il faut faire de l'activité physique pour retrouver la motivation. Et donc, ça vous prend des moyens de ressourcement. Donc, que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga, que ce soit des marches en forêt. Bref, faites quelque chose qui vous aide, qui vous ressource à aller dans vos passions. Et ça va prendre des activités de libération. Moi, mon conjoint trouve toujours ça bien drôle parce que j'ai toujours plein de petits exercices pour aider mon inconscient à se libérer de vieilles blessures, de vieux souvenirs, que ce soit l'exercice des 50 phrases où là, je vais dans une situation de stress intense, je vais écrire 50 phrases qui décrivent comment je me sens. C'est un exercice de Jack Canfield. Une heure après, je vais écrire 10 phrases sur comment je me sens. Puis après ce temps-là, bien, généralement, l'émotion est beaucoup, beaucoup diminuée.
La méditation au Ho'oponopono, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, avoir du coaching, avoir de la formation. Moi, je le sais que si dans la semaine, j'ai eu 3 coachings de manipulation, bien à ce moment-là, le vendredi soir, je vais écouter des vidéos de formation en ligne de gens qui sont pour moi inspirants parce que ça va m'empêcher de tomber dans, par exemple, des vidéos inutiles sur Facebook ou de lire des conversations qui sont pas inspirantes et pas réjouissantes. Parce que si je suis fatiguée, mon système réticulé activateur à moi va se mettre à spotter, par exemple, sur Facebook ou à la télé dans les nouvelles, des choses négatives parce que je suis fatiguée. Donc, je le sais. Donc, je vais m'assurer, par exemple, de regarder des vidéos de formation en ligne qui sont inspirantes. Ensuite, clé numéro 5, il faut identifier le processus mental. L'idée, c'est d'identifier le chemin neuronal qui s'est forgé dans votre cerveau parce qu'on peut le modifier. Ça veut dire qu'il faut identifier la blessure. Il y a un Américain qui avait fait beaucoup de travail là-dessus, puis au Québec, ça a été popularisé, entre autres, par Lise Bourbeau. Sur les 5 blessures, on peut avoir la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation ou l'injustice. Donc, il faut identifier c'est quoi les blessures qui sont prédominantes chez vous. Il faut identifier c'est quoi les déclencheurs. L'exemple que je donne souvent, c'est que si vous avez une blessure dans la main, puis que vous allez serrer la main de quelqu'un, mais ça va faire mal. Le problème, c'est pas l'autre personne. Le problème, c'est pas la poignée de main. Le problème, c'est la blessure qui n'a pas été soignée. Puis si on s'en occupe pas, ben elle va finir par gangréner, puis vous allez avoir mal à chaque fois que vous allez faire la vaisselle, à chaque fois que vous allez vous habiller, à chaque fois que vous allez faire votre lit. Donc, il faut prendre soin de ces blessures-là pour s'en libérer. Mon ami Chantal Brault prend souvent l'exemple des cadavres dans le marais, où elle dit, c'est comme si on était dans une chaloupe et on est dans un marais, puis autour de nous, c'est plein de cadavres, un peu comme dans le Seigneur des Anneaux. Et ces cadavres-là, bien évidemment, on a tendance à ne pas vouloir s'en occuper parce que ça pue. Puis on a tendance, au contraire, à vouloir s'occuper des cadavres des autres, puis à régler les problèmes des autres. Et pendant ce temps-là, bien, les cadavres, ils continuent de pourrir, puis ça pue de plus en plus, puis les blessures finissent par nous envahir, envahir notre inconscient. Puis ce qu'on a à faire, c'est sortir un cadavre de l'eau, puis aller l'enterrer dans la terre ferme. Mais quand on va enlever un cadavre de l'eau, un cadavre, ça flotte. Donc, les autres qui sont en dessous vont remonter. Puis c'est ça qui va arriver quand vous allez vous mettre à travailler sur vos blessures. Vous allez travailler sur les blessures qui sont en surface. Vous allez aller les enterrer dans la terre ferme, puis il y en a d'autres qui vont popper que vous ne saviez même pas qu'ils étaient là. Mais ces blessures-là, ils étaient déjà toutes dans votre inconscient. Et ces blessures-là venaient toutes affecter votre langage corporel. Ces blessures-là venaient toutes, évidemment, attirer des manipulateurs et des menteurs. Donc, plus vous allez travailler vos blessures, plus il y en a d'autres qui vont popper. Ce n'est pas des nouvelles blessures. Ils étaient juste plus profonds dans votre marais. Fait que c'est ça qu'il faut aller, évidemment, travailler pour identifier c'est quoi les besoins qui sont non comblés, parce que les manipulateurs adorent les besoins non comblés, et on va identifier quels sont les patterns. Parce que vous avez sûrement déjà vu l'expression « to fight, to fly, to freeze ». Donc, on a tendance soit à fuir devant une situation, donc abandonner, quitter, faire en sorte que l'autre nous quitte, être dépendant, donc tomber dans une dépendance pour ne pas avoir à trop réfléchir, s'étourdir dans un paquet d'activités pour ne pas avoir la situation. On va figer, attendre, nier, résister, s'écraser, se refermer, puis espérer que l'orage va passer, mais des fois l'orage peut durer longtemps. Ou on va combattre, mais de façon négative. Donc, on va diaboliser, on va critiquer, on va juger, on va agresser, on va tomber dans le syndrome de la performance, puis on va se brûler. Donc, il faut identifier c'est quoi notre façon de réagir. Je vous donne un exemple réel. Par exemple, avant que je commence à travailler sur mes blessures, si quelqu'un avait une critique sur mon propos, une critique sur un de mes livres, une critique pendant une conférence, une critique sur quelque chose que j'ai dit, bien moi, je portais la blessure de rejet. La blessure de rejet, le masque qui vient avec, donc la façon de se comporter quand on porte la blessure de rejet, c'est le masque de la fuite, c'est le masque du fuyant. Et mon pattern à moi, c'était à ce moment-là de tomber dans le silence, de plus rien dire, de me refermer. Et ce que ça faisait, bien, ça, n'importe quel déclencheur, le moindrement agressif, faisait que moi, ma blessure de rejet venait de se déclencher et je tombais dans mon pattern de silence. Mon corps, à ce moment-là, se repliait, se contractait, se figeait. Donc, mon corps venait dire à l'autre, je suis pas capable de répondre, je suis pas capable de gérer mon émotion. Fait que tu peux continuer de m'attaquer parce que de toute façon, je répliquerai pas. Fait que, inévitablement, ce que j'avais comme besoin non comblé, c'est un besoin de reconnaissance de la valeur de mon propos. J'avais besoin d'être considéré. Ce que ça a mis en lumière aussi quand je me suis mis à travailler, c'est que mon discours intérieur, dans ma tête, je me disais, t'es niaiseuse. Tu n'y arriveras pas. Franchement, là, tu vois bien là, que ça n'a pas d'allure ce que tu dis, les autres ne te croient pas. Et il a fallu que je travaille donc l'estime de soi. Et comment il a fallu que je le fasse? Bien, il a fallu que je m'accorde de la valeur à moi-même. Si je m'en accorde pas, je peux pas m'attendre à ce que les autres m'en accordent. Je ne peux pas donner cette responsabilité à l'autre.
Alors, je me suis mis à faire des exercices. L'exercice des 100 réalisations, qui est un autre exercice de Jack Canfield, où je devais écrire 100 réalisations que j'avais faites et dont j'étais fière. Au début, je peux vous dire qu'après 16, j'avais plus d'idées, puis je me suis rendue à 34 de peine et de misère, mais finalement, au fil du temps, ça a pris plusieurs semaines, j'ai fini par me rendre à 100 réalisations. Mais j'ai dû travailler l'illumination, donc le discours intérieur, pour arrêter de me taper sur la tête moi-même. J'ai dû travailler la joie, la gratitude, c'était vraiment pas inné chez moi. Et à un moment donné, c'est Alain Sanson qui m'avait donné un truc. Alain Sanson a écrit plus d'une centaine de livres. Puis j'avais demandé qu'est-ce qui faisait qu'il était motivé à écrire. Puis il me disait, Annabelle, pour chaque livre, quand je commence, je m'accorde une récompense à venir. Puis là, je disais, ouais, mais la récompense, elle arrive quand? Tu sais, un livre n'est jamais fini, là. Tu le finis, tu l'envoies à la maison d'édition, il revient, il y a des corrections, tu le retravailles. Après ça, il faut que tu fasses le lancement. Après ça, il faut que tu fasses les ventes. Après ça, il faut que tu fasses la promotion. Après ça. Là, Alain, il me dit, Annabelle, arrête, là. Quand tu envoies ton livre à l'éditeur, c'est là où tu t'accordes ta récompense. Ce qui fait que la rédaction du livre ne devient pas une tâche à accomplir, mais au contraire, la possibilité d'atteindre un objectif et la possibilité d'avoir une récompense. Et quand je me suis mis à modifier cette façon-là de penser, donc à reprogrammer mon système réticulé activateur, ça m'a permis à ce moment-là de voir la rédaction comme un exercice, un cheminement et non pas comme quelque chose d'ardu à faire. Mais il a fallu que je le fasse aussi quand je savais que j'allais avoir une discussion sur un sujet délicat. Je prévoyais à l'avance une récompense pour mettre en marche mon système réticulé activateur, mais dans le bon sens. Il a fallu que je le travaille parce que pour moi, la joie, la gratitude, la récompense, c'était pas naturel. Donc, quand je disais à mon conjoint, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs joyeux, lui était bien surpris, puis il a fallu que je fasse un effort pour réussir à me souvenir de moments de joie parce que c'était pas ça qui était programmé dans mon système réticulé activateur. Donc, la clé numéro 6, faut utiliser un vocabulaire qui est aidant. Il faut comprendre que le cerveau occulte la négation. Ça veut dire que si vous dites à un enfant « cours pas », le cerveau, lui, tout ce qu'il enregistre, c'est « cours ». L'inconscient focalise son attention sur les mots clés. Donc, si vous dites à un enfant « crie pas », son inconscient vient d'enregistrer « crie ». Donc, on va dire « parle plus doucement ». Mais ça veut dire aussi que dans les conversations que vous avez avec les autres et les discussions que vous avez dans votre propre tête, il faut regarder quel est le discours que vous avez pour éliminer les phrases négatives. Je vous le dis, vous en utilisez des tonnes. Mais quand on veut avoir vraiment une communication d'impact positif avec notre interlocuteur, il faut éliminer de notre vocabulaire les phrases négatives. Il faut faire très attention aux phrases qu'on se dit à soi-même. Parce que tout ce que l'on met après « je suis », on le devient. Donc, si vous vous dites souvent dans une journée « bon, je suis niaiseuse », mais vous allez finir par le devenir. Répétez-vous pendant 10 minutes, j'ai mal à la tête, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Mais au bout de 10 minutes, vous allez commencer à avoir mal à la gorge, vous allez commencer à avoir mal à la tête. Parce que le cerveau finit par reproduire ce que vous n'arrêtez pas de répéter. Donc, il faut faire attention à ce que vous répétez. Et souvent, on a tendance, quand on parle avec quelqu'un, à utiliser le « tu ». Tu devrais faire ça, tu devrais comprendre, tu. À un moment donné, j'ai une cliente qui me dit, je fais le souper, puis mon conjoint ne comprend pas qu'il devrait faire la vaisselle. Et là, je dis, c'est parce que tu as-tu demandé? Mais non, mais là, il devrait le savoir, s'il même devrait le savoir. Puis là, moi, le conjoint est juste en arrière d'elle. J'ai le cœur qui débat de main. Et je dis, il ne saura pas. Il n'est pas dans ta tête. C'est à toi à exprimer ton besoin. Si toi, tu n'exprimes pas ton besoin, lui, il n'est pas responsable de ton besoin, là. C'est toi qui es responsable de ton besoin. C'est à toi à le verbaliser. Maintenant, ça se peut qu'il ne réponde pas positivement. Mais si tu ne lui demandes pas, les chances qu'il réponde sont assez minces. Donc, c'est à toi à prendre la responsabilité de ton besoin, à toi à le verbaliser correctement. Et à partir de là, ben lui, il aura le choix d'y répondre positivement ou négativement. Mais c'est ta responsabilité de verbaliser ton besoin au « je », pas au « tu ». Et à partir de là, il a donc fallu qu'elle travaille sa façon de s'exprimer parce qu'elle avait tendance, évidemment, à lui donner des ordres. « Tu devrais faire ça. Il faut que tu fasses ça. » Et là, elle a dû le retravailler. Ça a pris quelques semaines avant de réussir à faire des phrases au « je » plus souvent qu'autrement. Une chose que je dis souvent à mes clients, c'est d'utiliser le terme « j'entends ce que tu me dis » et non pas « je comprends ce que tu me dis ». Parce que dans le verbe « comprendre », il y a le mot « prendre ». Et quand on dit « je comprends », on prend sur nous le problème de l'autre. Donc, on va plutôt dire « j'entends ce que tu me dis ». Donc, on lui laisse sa responsabilité, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on signifie qu'on a entendu. Puis, on va dire « j'ai besoin de ».
au lieu de j'aimerais. Ça, c'est une psychologue qui m'avait amené cette nuance-là parce que quand on dit j'aimerais, on signifie à l'autre qu'on va l'aimer si. C'est donc au conditionnel. Donc, j'ai besoin de. Puis évidemment, on va faire attention au ton de la voix. Si on s'adresse à l'autre en disant ben là, j'ai besoin que tu fasses ça là. La phrase, c'est bel et bien j'ai besoin que. Sauf que le ton vient de nous donner une autre indication. Fait qu'évidemment, on va utiliser des termes de libération. Moi, souvent, je vais dire à mon conjoint, je souhaite libérer mon inconscient. Donc, hier, on s'est parlé de quelque chose, il y a quelque chose qui est resté pris dans mon inconscient, puis je souhaite libérer mon inconscient. Donc, ce qui s'est imprégné dans mon inconscient, ça m'appartient. Ça appartient pas à mon conjoint. Si moi, je prie avec une rumination, ça m'appartient à moi. La rumination, elle est dans ma tête, à moi. Donc, c'est moi qui souhaite se libérer d'une rumination. Je commencerai pas en disant, là, il va falloir que tu m'expliques telle affaire. Non, non. Je souhaite libérer mon inconscient. Ce que j'ai retenu hier, c'est, là, je sais pas quoi faire avec ça, puis je pense que je l'ai mal interprété, je l'ai mal retenu, j'ai besoin de ton aide. Je souhaite que l'on reformule ensemble. J'ai besoin de ton réconfort, j'ai besoin de ton aide. On s'entend-tu que l'approche est bien différente de « faut qu'on se parle ». Parce que « faut qu'on se parle », ça met l'autre en mode vigilance, généralement. Ensuite, l'idée, c'est évidemment de se responsabiliser. C'est mon émotion m'appartient. Donc, quand l'autre personne est en colère, ben, je vais lui dire « j'entends ta colère, mais ta colère t'appartient. Je t'invite à prendre une grande respiration. » C'est extrêmement difficile pour l'autre à ce moment-là d'être en colère avec moi. Parce que je n'embarque pas dans sa colère. Je lui laisse sa responsabilité, mais moi, je suis dans un état de bienveillante fermeté. J'entends ta colère. Il n'y a pas d'agressivité dans ce que je viens de dire. J'entends ta colère. Je reconnais la colère de l'autre. Une personne qui est en colère, une personne qui est difficile, a l'impression qu'elle n'est pas considérée. Alors, quand je dis j'entends ta colère, bien évidemment, je permets à l'autre à ce moment-là de savoir qu'il est considéré. Puis là, je vais dire, c'est mon émotion, c'est ma perception, c'est ma blessure. Donc, si je suis dans une conversation avec quelqu'un et je suis déclenchée, je vais lui dire, là, je suis dans ma blessure de rejet, j'ai mon masque de fuyant, donc j'aurais tendance à vouloir fuir la situation. J'ai besoin qu'on regarde ensemble ce que tu veux vraiment me dire pour que je puisse bien comprendre. Donc, je vais me responsabiliser. Il y a une phrase que je vous mets qui est une phrase qui me vient de Pierre Sonnez où il me disait, que sa conjointe disait, ça se peut que ça sorte pas bien, mais mon intention est bonne. Parce que des fois, on est quand même envahi par une émotion, puis on voudrait s'exprimer, mais en partant comme ça, ça se peut que ça sorte pas bien, mais mon intention est bonne. On vient calmer le jeu. Et souvent, moi, je vais nommer mon intention à l'autre. Je souhaite avoir une conversation douce et harmonieuse. Donc, je viens dire à l'autre que je ne veux pas entrer en conflit, je ne veux pas qu'on joue au ping-pong, je ne veux pas partir sur une grosse affaire. Là, tout ce que je veux, c'est une conversation douce et harmonieuse. Puis évidemment, l'idée, c'est d'avoir une conversation mature. Je suis désolée. Je m'excuse. Je te demande pardon. C'est pas la même chose, hein? Je suis désolée, on va dire je suis désolée de. Pas je suis désolée si. Pas je suis désolée si je t'ai fait de la peine. Si l'autre personne exprime la peine, on ne met pas un si je t'ai fait de la peine. Ça, si vous voulez déclencher l'autre, c'est un bon moyen. Être désolé, ça veut dire qu'on ressent de la désolation face à l'état de l'autre. S'excuser, ça veut dire qu'on réalise qu'on a eu un impact sur l'état de l'autre. Demander pardon, ça veut dire qu'on vient dire à l'autre que notre relation est plus importante encore que le fait d'avoir raison. Donc, avoir de la maturité, c'est être capable de dire « je suis désolée, je m'excuse, je te demande pardon ». D'être capable de dire « je t'aime, je t'apprécie, puis merci ». Pas juste avoir des conversations où on se dit juste ce qu'on n'aime pas, mais être capable de dire ce qu'on apprécie de l'autre aussi. Donc, d'être capable de dire dans une conversation sur quoi vous êtes d'accord avec l'autre. « Je suis d'accord avec toi. J'aurais dû m'y prendre de cette façon-là. » La façon que je l'ai dit, ça a sorti un peu croche, je suis d'accord avec toi. D'être capable de le reconnaître. Je constate que la situation t'affecte. J'entends ta colère. La discussion qu'on a en ce moment, elle est importante. Donc, d'accorder de l'importance à ce qui est en train de se dire, de reconnaître l'importance. Puis pourquoi c'est important? Mais c'est parce que la nouvelle génération, évidemment, n'a pas les mêmes bases que nous. Nous, à l'école, on n'apprenait pas comment s'affirmer avec bienveillance, alors que la nouvelle génération ont appris, eux, à verbaliser davantage leurs émotions, ils ont appris à négocier davantage, ce qui n'est pas notre cas. Et en situation de plein emploi, bien évidemment, là, les gens embauchent tout ce qu'ils peuvent, mais le plein emploi, ça ne dure pas. On embauche pour les compétences, on congédie pour l'attitude. Et de plus en plus, moi, quand on fait appel à moi pour savoir comment congédier les gens, on essaie de le faire de façon correcte, mais on va congédier pour l'attitude. Donc, plus on travaille notre communication,
plus on a de chances de notre côté de pouvoir rester quand l'entreprise va devoir évidemment éliminer certaines personnes. Et on n'a jamais, même si on est relié sur un paquet de réseaux sociaux, les gens n'ont jamais ressenti autant de solitude qu'aujourd'hui. Puis évidemment, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, mais pour ça, il faut être en mesure de l'attirer. Fait que les qualités requises pour décoder davantage et s'affirmer avec bienveillance, mais en fait, c'est pas compliqué. L'idée, c'est est-ce que vous avez une volonté d'apprendre? Est-ce que vous avez une volonté de pratiquer, d'intégrer? Est-ce que vous avez un désir d'amélioration, un désir de complicité, un désir de connexion avec l'autre? Parce que, évidemment, si vous ne voulez pas connecter avec personne d'autre puis vous allez tout seul dans le bois, ben tant mieux. Mais si vous avez un désir de complicité puis de connexion avec quelqu'un d'autre, ben à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux décoder l'autre, à mieux se décoder soi, puis à mieux s'affirmer, s'affirmer avec plus de bienveillance, plus d'harmonie. Puis évidemment, ben ça, on peut reprogrammer notre cerveau et le système réticulé activateur, ben évidemment, ça se reprogramme aussi. Et comment on s'y prend? Ben, on s'y prend par des exercices concrets pour changer les chemins neuronaux, pour pratiquer. On peut faire du coaching, on peut suivre des formations, on peut faire de la lecture, on peut faire des mises en application. Mais ça se travaille. Je vois qu'il est déjà 9 heures. J'espère que vous avez apprécié. On va répondre à vos questions dans quelques instants. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Évidemment, pour ceux qui veulent aller plus loin, plus rapidement, demain, si vous avez envie d'intégrer davantage, parce qu'évidemment, je vous en ai présenté en 2 heures, mais je pourrais vous en présenter pendant des jours entiers. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus vite intégrer ces notions-là, ben, j'ai une opportunité qui est vraiment fantastique. Si vous avez envie d'apprendre à décoder le corps, le mensonge, la manipulation, et vous affirmer avec bienveillance et qu'on le pratique ensemble, si vous avez envie de vous entourer de relations saines, de mieux vivre avec les désaccords, de prendre votre place et de vous affirmer, ben évidemment, je peux vous montrer comment faire. Et l'idée, évidemment, le vocabulaire d'impact, le langage corporel, les stratégies de mensonge et de manipulation qui fonctionnent sur soi, souvent, on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas appris. Puis l'idée, évidemment, c'est qu'on doit apprendre à gérer ces changements-là, gérer ces émotions-là à travers du quotidien. Puis il faut apprendre, puis il faut oser. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, je me disais que peut-être qu'il faudrait que je fasse partie d'un bureau de conférencier pour avoir plus de conférences. Donc, évidemment, à partir du moment où j'ai fait la demande à l'univers, l'univers m'a envoyé un responsable d'un bureau de conférencier. Et le bureau de conférencier me dit « Venez rencontrer notre président à nos bureaux. » Je me rends à leur bureau et finalement, ce n'est pas un bureau, c'est un condo. Mon Dieu, je trouve ça bien bizarre. Je cogne à la porte et là, le monsieur m'accueille. Je suis au bon endroit, mais c'est vraiment un condo, ce n'est pas un bureau. Fait que je me retrouve dans un salon et la personne me dit, installez-vous. Fait que je m'installe, mais là, on m'installe sur un gros divan avec des ressorts complètement défoncés, ce qui fait que je suis assise pratiquement à terre. Et la personne s'assoit sur une chaise bien droite, mais très confortable, ce qui fait qu'on n'est pas tout à la même hauteur. Fait qu'en synergologie, on dirait qu'il y a une position d'éléfaction, il se met plus haut que moi. C'est une façon, évidemment, de dominer l'autre. Et là, il me pose plein de questions, puis moi, je ne suis pas confortable, mais pas du tout. Puis évidemment, lui, il prend de la place, puis moi, je suis très inconfortable. Et là, il me demande de me lever, puis de donner 5 premières minutes de conférence pour qu'il puisse m'évaluer. Ça ne fait pas 20 secondes que je parle, qu'il me coupe la parole, puis qu'il me dit « Commencez-vous toujours de même? » Hey boy! Le doute commence à s'instaurer dans mon esprit. Et j'arrive pas à parler longtemps parce qu'à tout bout de champ, il me coupe la parole, il fait des commentaires, il pose des questions un peu bizarres. Puis après ça, il me fait rasseoir sur le divan complètement mou et défoncé. Ce qui fait qu'au bout d'une heure, là, plus ça va, moi, plus mon corps se replie, parce que je vous rappelle que je portais à l'époque la blessure du rejet. Donc, je suis dans mon masque du fuyant. Fait que plus ça va, plus je m'écrase dans mon siège. Mais à un moment donné, je prends conscience de mon langage corporel et là, je me dis, je suis en danger, c'est pas normal. Mais mon esprit est tellement brouillé que je ne suis pas capable de dire ce qui se passe exactement. Mais là, je comprends qu'il faut sortir de là, ça presse. Et là, évidemment, ben, il met de la pression en disant, là, on pourrait faire une vidéo promotionnelle, ça te coûterait 600 $. Puis là, tu aurais besoin d'un peu de coaching, là, pas trop, là, mais pour à peu près 3 000 $. Fait que 3 600, on est en affaire. Puis là, il veut que je signe là. Mais moi, mon corps me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rationnellement, j'ai de la misère à expliquer ce qui se passe parce que je suis envahie. Mais mon corps, lui, il me dit, sors de là. Fait que je dis, je vais me donner 24 à 48 heures de réflexion. Évidemment, il n'est pas content. Il essaie de mettre de la pression pour que je signe. Et moi, je fais juste rester là-dessus. Moi, je ne signe jamais sur le coup de l'émotion. Je m'accorde toujours 24 à 48 heures de réflexion. Et quand je suis sortie de là, je suis allée voir mon conjoint. Et là, j'ai des démangeaisons. Je ne suis pas bien. Mon non-verbal crie qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Et là, mon conjoint, il se demande bien qu'est-ce qui se passe. Et il a fallu revoir la situation ensemble pour être en mesure de mettre en place des mesures de protection. Après, évidemment, je n'ai pas signé avec le monsieur, j'ai fait mes devoirs, j'ai contacté plusieurs conférenciers pour savoir comment ça marchait dans les bureaux de conférenciers. J'ai contacté Patrick Leroux, Alain Sanson, Christine Gagnon, bref, plein de gens pour apprendre que, évidemment, cette façon de faire-là n'avait pas de bon sens et que cette personne-là, fallait que je m'en éloigne très rapidement. Mais mon corps m'avait donné suffisamment d'indices pour me dire, sors de là, ça presse. Des situations comme ça, j'en ai vécu plein parce qu'évidemment, quand on se met à travailler là-dessus, ben le système réticulaire activateur, le temps de le reconfigurer, moi, les outils, il a fallu que je les trouve. Les outils, je vous les donne. Mais évidemment, moi, il a fallu que je les trouve et à ce moment-là, c'était moins populaire. Donc, il a fallu que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup pour être en mesure de développer cette capacité-là. Fait qu'évidemment, si vous savez pas comment analyser le langage corporel, comment gérer vos émotions, comment vous affirmer avec bienveillance, ben c'est normal, parce que c'était pas enseigné. Fait que vous pouvez pas le deviner. Ça vous a pas été montré. Donc, c'est tout à fait logique que vous le sachiez pas. Moi, ça m'a pris des heures et des heures et des heures et des années de formation pour réussir à l'intégrer. Puis, il existe énormément de mythes sur le langage corporel. Vous vous êtes sûrement fait déjà dire que si vous avez les bras croisés, ça veut dire que vous êtes fermé. Mais 90 % du temps, c'est pas vrai. Ça se peut que vous ayez froid, ça se peut que vous soyez simplement confortable, ça se peut que vous ayez mal à une épaule. Donc, il y a peu de choses qui vous ont été enseignées. Fait que c'est normal s'il y a plein de choses que vous ne savez pas, ça ne vous a pas été enseigné. Puis souvent, ce qui nous a été enseigné, c'est qu'il faut confronter. Et là, quand on confronte, généralement, on fait ça tout croche, puis ça sort tout croche et ça empire. Donc, évidemment, ça ne peut pas vous donner des bons résultats. Fait que ce que je vous propose, c'est 2 jours de formation qui s'appelle « Décoder et s'affirmer avec bienveillance ». Une formation de 2 jours selon 4 axes. Le langage corporel, les mensonges, la manipulation, s'affirmer avec bienveillance. Cette fin de semaine-là a lieu le 16 et 17 novembre à Mirabel. Et pendant cette formation-là, évidemment, je vous donne tout un cahier de participants avec plein de notes. Il va y avoir aussi des conférenciers qui vont être là disponibles avec moi. On va faire des exercices ensemble que vous puissiez le pratiquer dans un milieu sécuritaire pour être en mesure après ça de l'appliquer chez vous. Puis, je vous donne aussi un livre gratuit que je vous donne avec la formation. Évidemment, moi, ça m'a coûté au-dessus de 25 000 $ pour réussir à me former en analyse du langage corporel, en détection des mensonges, en détection de la manipulation. Ça m'a coûté très cher. Et c'est sûr que si je le faisais en entreprise, l'entreprise devrait payer 6 000 $ pour avoir ces 2 jours-là. On s'entend que vous ne payerez pas 6 000 $ pour 2 jours de formation. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en mesure de payer ça. Puis l'idée, c'est que moi, je pars avec l'idée que j'aime ça, les gens qui passent à l'action. Puis j'aime les gens aussi qui apprennent et qui osent apprendre à s'affirmer. Puis je me dis que plus on va être de gens à décoder correctement le non-verbal, les stratégies de manipulation, les stratégies de mensonge, plus on va être de gens à s'affirmer avec bienveillance, mieux le monde va se porter. Donc, évidemment, pour les gens qui vont oser passer à l'action, pour les gens qui vont vouloir s'inscrire à la formation, je vous offre déjà des cadeaux. Pour les prochaines 48 heures, les gens qui s'inscrivent, je vous offre gratuitement la formation en ligne « Initiation au langage corporel » d'une valeur de 97 $ plus taxes. Cette formation-là, si vous me dites « Oui, mais là, Annabelle, là, je suis dans le jus, là, j'aurais pas le temps d'affaire là », c'est parfait. Parce que cette formation-là, elle est disponible, il n'y a pas de limite de temps. Vous la faites quand vous voulez. Il n'y a pas de temps. Dans un an, vous l'avez encore. Dans 4 ans, vous l'avez encore. Dans 10 ans, vous l'avez encore. Vous la faites quand vous voulez, à votre rythme. Vous n'êtes pas obligé d'enchaîner ça rapidement. C'est quand vous voulez. Je vous offre aussi la formation en ligne « Publier un best-seller » d'une valeur aussi de 97 $ plus taxes. C'est la même chose. Vous le faites quand vous voulez, à votre rythme. C'est un programme en ligne. Donc, vous regardez les vidéos, vous faites les exercices. Vous ne le faites pas, ça vous appartient, mais vous l'avez gratuitement. Et je vous offre un rabais de 50 % sur la formation Potentiel Infini, qui est une autre formation en ligne. Donc, ce rabais-là, il est pour vous. C'est que si dans 5 ans, vous me dites, Annabelle, j'avais participé au webinaire le 16 octobre 2019, j'ai jamais pris le temps de demander le 50 % de rabais sur Potentiel Infini. Moi, de toute façon, la liste des participants, je vais l'avoir. De toute façon, c'est pas un problème. Donc, ça demeure disponible pour vous. Et ces liens-là, je vais tous vous envoyer ça de toute façon dans le courriel de suivi. Ce que ça fait, bien évidemment, moi, je m'adresse aux participants qui sont sérieux. Fait que les gens qui cherchent des solutions magiques, c'est pas pour vous ces 2 jours-là, c'est certain. Les gens qui ont envie de chialer, qui disent que leur verre est plein, qu'ils veulent plus apprendre, qu'ils ne veulent pas intégrer, qui sont pas coachables ou qui ne sont pas prêts à recevoir du feedback, évidemment, pendant 2 jours de formation sur le comportement humain, ça sera pas pour vous. L'idée, c'est de m'adresser à des gens qui ont envie vraiment
de travailler leurs relations dans un contexte qui est sécuritaire, dans un contexte qui est harmonieux, dans un contexte qui est agréable et qui est inspirant. Évidemment, si, je ne sais pas moi, vous vous inscrivez, puis une semaine avant l'événement, vous vous apprenez que vous allez avoir une opération, mais c'est pas grave. Moi, jusqu'à 3 jours avant l'événement, vous pouvez vous désinscrire et je vous rembourse. Parce que de toute façon, le paiement se fait par le système. Fait que je fais juste demander à PayPal de vous rembourser. Si, je ne sais pas moi, au bout de 2 heures de formation, vous n'aimez pas ça pantoute, puis ça vous tente plus, ben, puis vous voulez quitter, ben, je vais vous rembourser. Au bout de 2 heures, moi, vous partez, c'est pas un trouble. Évidemment, si vous attendez 2 jours pour vous dire que vous n'êtes pas satisfait, là, évidemment, il faut le manifester beaucoup plus tôt. Mais ça fait évidemment que je vais vous envoyer les bonus après l'événement. Donc, parce qu'évidemment, si j'ai à gérer quelqu'un qui s'est inscrit, qui se désinscrit, mais j'avais donné les bonus, il y avait les accès, il y a celui-là, à un moment donné, ça devient un peu plus compliqué. Donc, évidemment, l'idée, c'est que la valeur de cette formation-là, sur mon site Internet, si vous le regardez, la valeur, elle est de 597 $ pour 2 jours. Il est en promotion à 447 $, donc vous avez 150 $ de rabais. Mais ça, c'est pas votre prix à vous. Votre prix à vous, parce que vous participez au webinaire de ce soir, il est de 347 $. Parce que je vous donne ce mot-là, le mot décodé, pas d'accent. Le mot décodé, c'est un code promotionnel. Donc, si vous allez sur mon site Internet, mais à ce moment-là, au site Internet abcsolutions.ca/décoder, à ce moment-là, vous avez ce code promotionnel-là qui peut fonctionner et qui vous permet d'avoir un autre 100 $ de rabais, ce qui fait que vous avez 250 $ de rabais. Donc, ce code-là, évidemment, il est applicable pour 48 heures. Après ça, évidemment, il sera plus disponible. Le lien, c'est exactement ce que je vous mets là, donc le https://www.abcsolutions.ca/décoder. Donc, évidemment, à partir de là, ben, vous pouvez vous inscrire. Et là, on va regarder ça ensemble, comment on fait ça. Parce que, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir le faire. Donc, ça vous amène à cette page-là. Là, je vais vous le mettre ici. Je vais vous le copier pour que vous puissiez le voir en clavardage. Donc, copier. Et je viens vous le mettre ici. Donc, le voici. Donc, ici sur la page, vous voyez, il y a « Je m'inscris dès maintenant ». Donc, évidemment, quand on clique là-dessus, ça nous amène sur le produit. Et là, vous allez en bas et vous pouvez l'ajouter au panier. Et à partir du moment où vous l'avez ajouté au panier, vous pouvez remonter et vous pouvez voir le panier ici. Vous cliquez là-dessus. Et là, bien évidemment, vous avez le prix que je vous disais tantôt qui est en promotion. Et ici, vous ajoutez le mot « décodé ». Si je l'écrivais comme il faut, ça irait encore mieux. Et on va appliquer le code promotionnel. Puis à partir de là, bien, vous voyez, lui, il recalcule, il vient d'enlever un 100 $ supplémentaire. Et là, on va, valider la commande. Et à partir de là, bien, vous allez remplir les champs d'information et vous allez pouvoir procéder au paiement. Ça va vous dire de payer par, si vous cliquez sur continuer, vous cliquez encore sur continuer, ça va vous demander si vous voulez payer avec PayPal. Quand vous allez cliquer là-dessus, évidemment, faut cocher ici j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Donc, en cliquant sur payer par PayPal, ça va vous permettre à ce moment-là de payer aussi par carte de crédit tout simplement. Donc, à partir de ce lien-là que je vous ai mis en clavardage, vous avez accès directement. Donc, à partir de là, bien évidemment, merci aux gens qui se sont inscrits. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Si vous avez des questions, c'est le temps. Là, j'ai un peu plus de temps pour répondre à vos questions. Le webinaire va évidemment être en rediffusion, donc il est enregistré. On va le mettre en rediffusion. Par courriel, je vais vous envoyer la rediffusion. Je vais vous envoyer le lien direct pour les gens qui souhaitent s'inscrire. Puis évidemment, mais je vous rappelle le petit concours de prise de notes sur Facebook, sur ma page d'auteur. Vous pouvez, en dessous de la publication de ce soir sur le webinaire, faire une publication, donc commenter et indiquer les photos que vous avez prises de vos notes. Et je vais faire tirer des livres pour les notes les plus fabuleuses qui vont avoir été prises pendant ce webinaire-là. Est-ce qu'on a des questions? Là, j'essaie de regarder de tout bord, tout côté. Oui, la formation va être disponible encore quelques jours.
C'est 2 jours pleins, c'est de 9h à 4h30, c'est à Mirabel. Évidemment, vous allez avoir tout ce qu'il faut là-bas. Là, puis le repas, évidemment, c'est juste en fonction de vous. Vous pouvez vous apporter une boîte à lunch, vous pouvez manger, il y a plusieurs restaurants autour, c'est vraiment comme vous voulez. L'hébergement, c'est comme vous voulez, c'est vous qui regardez ce que vous voulez. Merci, 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 merci. Merci pour la rediffusion. Parfait, la rediffusion, vous pourrez évidemment la partager aux gens que vous voulez très aisément. Là, elle va être disponible pendant plusieurs jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Donc, tant mieux. Ben, parfait. Merci à vous aussi. Donc, je vais juste, pour conclure, juste, est-ce qu'il est possible de faire changer les mauvaises personnes? Il faut comprendre que la personne sur laquelle vous avez de l'influence, c'est vous-même. C'est sûr que si vous-même, vous changez votre attitude, votre entourage va se modifier. Mais il est possible que dans certains cas, la modification de l'entourage, ce soit que certaines personnes s'éloignent de vous. Parce qu'il y a des gens, évidemment, vous ne pouvez pas forcer l'autre à changer. C'est sûr que si moi, je suis dans un meilleur état, j'influence positivement les autres. Si moi, je suis dans une bonne période, si moi, je gère bien mes émotions, bien, inévitablement, les gens autour de moi se portent mieux. Si je ne gère pas bien mes émotions, les gens autour de moi vont réagir aussi. Mais évidemment, il y a des gens, la plupart du temps, les gens vont eux-mêmes apprendre à mon contact et vont eux-mêmes se développer parce que moi, je suis davantage consciente, je suis plus à l'aise avec mes émotions, je gère mieux mes émotions, je gère mieux mon stress et je m'affirme de façon plus sereine. Inévitablement, les autres aussi vont aider, vont changer. Mais il y a des gens, évidemment, qui ne veulent pas changer parce qu'il y a des gens qui ont un bénéfice à avoir un mauvais comportement, à avoir une communication plus hargneuse. Alors, ces gens-là, évidemment, vont s'éloigner. Est-ce qu'il va y avoir une formation en ligne? Oui, au début 2020. Donc, au début 2020, je vais vous envoyer les invitations. Évidemment, les gens qui vont venir aux 2 jours de formation, eux, je vais leur offrir un rabais spécial pour la formation en ligne parce qu'ils vont avoir fait l'effort de venir pendant les 2 jours. Puis, vers fin janvier ou début février, on va lancer le programme Décodé. Ça va être un gros programme avec vraiment beaucoup de vidéos parce qu'évidemment, je couvre les 4 axes, donc le langage corporel, la manipulation, les mensonges et l'affirmation bienveillante. Donc, évidemment, ça va être une formation importante. Est-ce que le PN, pour ce qui est des PN en particulier, les pervers narcissiques, la plupart des études en psychologie ont démontré que le pervers narcissique n'a pas de capacité d'introspection. Fait que s'il ne se remet pas en question, s'il ne se regarde pas aller, s'il n'est pas capable de se responsabiliser, s'il ne veut surtout pas regarder à l'intérieur de lui, évidemment, il ne changera pas. Ceux qu'on va réussir à faire bouger, ce sont ce qu'on appelle des manipulateurs de moyen niveau, donc des gens qui utilisent des stratégies de manipulation, mais que ce n'est pas encore ancré dans la personnalité, que c'est un mécanisme de défense. Donc, ces gens-là, pour qui c'est un mécanisme de défense, évidemment, à ce moment-là, à notre contact, ils vont avoir tendance à modéliser notre nouvelle façon d'agir et à ce moment-là, eux autres vont vouloir faire des efforts pour s'améliorer. Un pervers narcissique ne change pas. La perversion narcissique, c'est une maladie mentale. Ça ne se change pas. Donc, à ce moment-là, le PN, le vrai PN, lui, au contraire, il va tout faire pour vous démolir et il va falloir à ce moment-là le sortir de votre vie parce qu'à ce moment-là, lui, il va continuer de vous contaminer. Donc, il faut prendre le temps vraiment à ce moment-là de mettre des limites claires, de se faire respecter et de sortir cette personne-là de votre vie. Et là, il y a des façons de faire. Parce que quand j'ai des clients qui veulent éloigner un PN de leur existence, bien, il y a une façon de faire parce que, évidemment, le pervers narcissique va résister à l'éloignement, va mettre en place des mécanismes pour essayer de vous accrocher, vous culpabiliser le plus possible. C'est très difficile à gérer. Donc, pour les gens qui sont en Europe, évidemment, les formations en personne, ça va être plus difficile. Les formations en ligne, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Ce qui fait que vous pouvez aller sur mon site Internet, que ce soit sur abcsolutions.ca ou sur annabelle-boyer.com. Vous avez plusieurs formations en ligne pour lesquelles vous pouvez vous inscrire très, très, très facilement. Donc, que ce soit Potentiel Infini, Initiation au langage corporel, la formation sur les manipulateurs, à ce moment-là, évidemment, vous pouvez vous inscrire comme vous voulez. Évidemment, pour conclure, est-ce qu'il existe des femmes PN? Tout à fait. Il y en a autant que les hommes. Il y a autant d'hommes, de femmes et d'hommes manipulateurs dans les deux côtés. On entend parler des femmes un peu moins parce que généralement, les hommes n'osent pas parler qu'ils sont victimes d'une perverse narcissique.
Et donc, est-ce qu'on peut changer la personnalité d'une personne de 16 ans? En fait, ce qu'on va travailler avec cette personne-là, c'est quels sont ses besoins non comblés, quelles sont ses ruminations, quelles sont. Donc, on va travailler avec la personne ce qu'elle veut elle-même travailler. Si la personne veut modifier son comportement, si elle, elle veut, elle sent qu'il y a un bénéfice à modifier son comportement, à ce moment-là, tout est travaillable. Et donc, pour conclure, parce qu'il est déjà 9h20, je vous ai retenu pas mal longtemps, je voudrais conclure avec une petite légende, une légende amérindienne que j'utilise souvent dans mes formations. C'est l'histoire d'un grand-père amérindien qui raconte des histoires à ses petits-enfants autour du feu. Et à un moment donné, il raconte la légende des deux loups. Et la légende des deux loups, c'est le grand-père raconte qu'en chacun de nous existe deux loups. Il y a un loup qui est bon, qui est gentil, qui est social, qui est avenant, qui est altruiste. Mais il y a aussi en chacun de nous un loup qui est méchant, qui est menteur, qui est paresseux, qui est agressif. Et il faut apprendre à composer avec ces deux loups-là. À un moment donné, il y a un de ses petits-enfants qui dit « Oui, mais grand-papa, c'est lequel qui gagne? » Et le grand-père de répondre « Celui que tu nourris. » Donc, je vous invite à partir de ce soir à nourrir le bon loup en vous. Celui qui est bienveillant, celui qui est authentique, celui qui est avenant, celui qui est respectueux. Plus vous allez travailler sur votre communication, plus vous allez faire des efforts pour vous affirmer de façon bienveillante, harmonieuse et respectueuse, plus vous alimentez le bon loup. Plus vous êtes authentique, plus vous mettez de côté les mensonges et la manipulation, plus vous alimentez le bon loup. Puis à partir de maintenant, je vous invite à l'alimenter le plus possible parce qu'à ce moment-là, évidemment, vous permettez à votre entourage aussi de vous voir aller et de cheminer à travers ça. Pour les gens qui veulent se joindre à moi le 16 et 17 novembre à Mirabel pour une formation de 2 jours pour apprendre à décoder le langage corporel, la manipulation, les mensonges et s'affirmer avec bienveillance. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous accueillir et de travailler ça avec vous. Et je vous envoie un petit courriel de rappel, probablement ce soir ou demain matin, pour vous donner l'ensemble des liens. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci beaucoup. Merci pour les gens qui sont en Europe et qui est extrêmement tard. Je suis désolée, mais je suis contente que vous ayez apprécié ce webinaire-là. Merci énormément pour votre présence. Ça a été un réel plaisir. Je vous souhaite une magnifique soirée et pour les gens en Europe, une merveilleuse nuit. Au revoir.